Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ces premières rencontres territoriales de la troisième révolution industrielle. Merci de votre patience. Il y a toujours quelques moments de réglage avant qu'on commence un grand événement. Et avant de vous donner le programme de l'après-midi, les organisateurs de l'événement vous ont préparé une petite surprise, un petit voyage dans le temps. On ne va pas bouger, on reste à Fourmies. Par contre, on se projette en 2050 et on va découvrir ce à quoi pourrait ressembler la ville en 2050. On regarde et on se retrouve tout de suite. Alors, un grand événement sans petit couac technique n'est pas un grand événement. Donc jusqu'ici, on est bon. Je vais en profiter pour vous donner le programme de l'après-midi. Trois grandes parties. Nous prendrons d'abord le temps d'écouter ce qui se passe ici à Fourmies depuis 2 ans. Des habitants, des lycéens, des chefs d'entreprise, des techniciens viendront nous dire, je vais juste peut-être terminer le programme et puis on regardera le film après. Donc, des habitants de Fourmies viendront nous dire ce qui est en route, ce qu'ils ont entrepris autour de 4 enjeux centraux, la gouvernance, l'énergie, la mobilité et le numérique. Deuxième temps, 4 grands témoins, experts chacun dans leur domaine, réagiront à ce bilan d'étape. Et parmi ces experts, Jérémy Rifkin, l'homme qui a forgé le concept même de troisième révolution industrielle. Troisième temps, enfin, la parole aux meilleurs experts de la ville, peut-être, celles et ceux qui la pratiquent au quotidien, qui ont une expertise d'usage, c'est-à-dire vous. C'est l'ADN de Rêve 3, ici à Fourmies, la gouvernance partagée, la coproduction du changement. Alors, on ne va pas changer une formule qui gagne cet après-midi. Vous aurez la parole pendant 30 minutes pour réagir, commenter, poser des questions. Et puis, je rassure les non-fourmisiens de la salle, vous aurez aussi le droit au micro pour poser vos questions. Si le film est prêt, on va le regarder avant d'ouvrir officiellement ses premières rencontres territoriales. 30 minutes pour réagir, commenter, poser des questions. Et puis je rassure les non-fournisiens de la salle, vous aurez aussi le droit au micro pour poser vos questions. Si le film est prêt, on va le regarder avant d'ouvrir officiellement ses premières rencontres territoriales. J'ai vu. Je les ai vus. Faire de nos ressources naturelles et humaines des pépites à travers les siècles et marquer tout un territoire à jamais. J'ai vu le rayonnement de l'industrie textile, l'arrivée du train puis du tramway dans une ville effervescente. J'ai vu la population se multiplier au rythme de la première révolution industrielle. J'ai entendu les cris d'un peuple capable de se soulever pour un avenir meilleur et cet écho à travers le monde. Mes yeux ont brillé devant le génie d'inventeur précurseur de la génie, mais j'ai aussi pleuré devant le désastre de la désindustrialisation. Pourtant, ils ont tous rebondi, se sont surpassés pour construire leur révolution numéro 3. Faire de leurs difficultés une force et ainsi retrouver confiance. Ils se sont rassemblés pour se réinventer. Ils ont communiqué sans cesse pour donner envie à tous de suivre. Ils ont devancé les évolutions numériques et économiques. Je me rappelle leurs premières imprimantes 3D. Aujourd'hui, ils sont reconnus comme référence dans ce domaine. Ils ont aussi tenu à préserver leur santé, manger mieux, produire et consommer local. Combattre la précarité énergétique et sociale, ils sont devenus libres et indépendants, ont investi dans leur propre production énergétique. En réalité, créer un habitat qui n'existait pas auparavant. Tous se sont mobilisés, jeunes et moins jeunes, pour une vie meilleure. Ils ont transformé l'isolement en véritable atout, en créant des moyens de transport innovants. Ils ont su se mobiliser pour partager,
Il n'était pas seul. J'ai eu les plus grands croisements. Nous sommes en 2050. Je les ai suivis, conquérants du futur humbles et fiers, œuvrés pour leurs enfants et pour la Terre. Je les observe depuis si longtemps, et d'aussi loin que je me souvienne, ils ont toujours su se réinventer. Je suis fourmi. Nous sommes fourmis. Vous êtes fourmi. Ville Phoenix. Ville de révolution. Et pour ouvrir ces premières rencontres territoriales de la troisième révolution industrielle, je vous propose d'accueillir Michaël Hiron, maire de Fourmies, et Xavier Bertrand, président du Conseil régional des Hauts-de-France. Messieurs. Merci. Monsieur le maire. Merci. Bonjour à tous. Je suis très très heureux de vous accueillir ici pour les premières rencontres territoriales de la troisième révolution industrielle. Franchement, voir le théâtre plein, je pense que Xavier en a encore plein les yeux. C'est la deuxième fois que tu vois un théâtre plein comme ça. Et on parle de troisième révolution industrielle à Fourmies. Ça me fait très plaisir en tout cas, moi, c'est d'accueillir mon ami Xavier Bertrand, mais pas seulement, Philippe Vasseur, Claude Langlais, Philippe Rapneau et bien sûr Jérémy Rifkin. Pour moi, c'est un honneur de l'avoir ici. C'est même une reconnaissance du travail qui est accompli par la municipalité et tous ses agents, et avec aussi toutes les collectivités comme la région qui nous aident énormément. Alors c'est vrai que je pense que tout le monde s'est aperçu que le monde changeait. Il y avait une véritable mutation, qu'elle soit une mutation sociale, une mutation économique, énergétique, numérique. Ça va très vite, ça fait très peur. Moi, je peux le comprendre, mais c'est ça la troisième révolution industrielle. Mais je pense que c'est surtout une véritable opportunité. Une opportunité comme pour nous, une ville comme Fourmies, qui a des atouts, énormes atouts, la richesse. On a l'eau, la pierre, le bois. Et la première des richesses, ce sont ses habitants. C'est pour ça que la ville de Fourmies place au cœur de tous ses projets ses habitants. Alors certes, on va travailler sur de nombreux piliers, comme des piliers énergétiques, puisqu'on va créer une coopérative énergétique où tous les Fourmisiens pourront contribuer et récolter, j'allais dire, les fruits de la production. Mais pas que. On a pris l'ambition, enfin, en tout cas le défi à 2050, d'être autonome en énergie et de réduire de 60% nos consommations énergétiques. On agit aussi sur la mobilité, puisqu'à Fourmies, on a 35% de la population qui n'est pas mobile, c'est-à-dire sans moyen de locomotion ou non détenteur du permis de conduire. On a d'ores et déjà créé une plateforme mobilité avec un garage solidaire, un atelier vélo, une auto-école sociale et aussi de l'allocation de véhicules pas très chers du tout, à 4 euros le véhicule, avec ou sans permis. On a le projet aussi, puisqu'on a lancé un défi, vous le verrez tout à l'heure, à des étudiants ici de Camille Claudel pour créer le moyen de locomotion du futur, un moyen de locomotion low cost, non polluant, pourront transporter 2 personnes qui sera conçu à Fourmies et mis à disposition gratuitement des Fourmisiens. On va travailler aussi sur le pilier numérique. On a créé notamment un tiers-lieu préfigurateur composé de salles connectées, d'espaces de coworking et d'un Fab Lab. Mais tous ces projets-là, ils ont été conçus avec la population dans le cadre d'ateliers de co-design. C'est la population qui a créé, qui a conçu et qui a choisi toutes les machines. Et c'est pour ça que ces espaces ont un véritable succès. On va aussi créer un quartier, je ne dirais plus écologique, un quartier Rêve 3, un quartier qui sera producteur d'énergie, où l'énergie sera mise en commun, partagée, les biens seront aussi partagés, l'habitat sera modulable en fonction de la composition familiale, bien sûr construit en bois pour relancer une filière courte. Ici, 40% du territoire est composé de forêts. Créer aussi une cuisine centrale qui fonctionnera qu'en circuit court. On va redévelopper ici la production locale et permettre aux producteurs de pouvoir utiliser les cuisines en dehors du temps de préparation pour pouvoir transformer leurs produits. Des projets comme cela, on en a encore beaucoup. Je ne pourrais pas tous les annoncer ici. Encore un peut-être, vite fait. On va créer à Fourmies
le hub, le premier hub des Hauts-de-France, de l'impression 3D métal, qui servira non seulement à tester des imprimantes 3D métal, mais aussi à permettre la maintenance pour tout ce qui est machines outils de gros constructeurs, que ce soit dans le ferroviaire ou dans l'automobile, on en connaît tous, sur Maubeuge ou sur Valenciennes. Mais avant toute chose, je tiens à dire, mais vous, je pense qu'ici, vous êtes tous convaincus, ou presque tous convaincus, c'est que ce projet REV3, je le fais pour ma population. Je reste persuadé que la troisième révolution industrielle, ça permettra de donner un avenir meilleur, un avenir désirable à toute la population. Alors moi, je me battrai jusqu'au bout, jusqu'en 2050 s'il le faut, si je peux faire en 6 ou 7 mandats, pour franchement faire obtenir à ma population cet avenir franchement désirable. Je vous remercie en tout cas et je vous souhaite à toutes une excellente conférence. Merci. Merci, monsieur le maire. La parole au président du Conseil régional des Hauts-de-France, Xavier Bertrand. Je ne sais pas par quoi commencer. Je ne sais pas par quoi commencer parce que j'aurais beaucoup de choses à dire et au final, ce ne sont pas des discours politiques que vous êtes venus écouter. Mais si on veut bien regarder les choses, sortez de cette salle, regardez le programme et vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, il y a Jérémy Rifkin, qui est mondialement connu, qui est ici à Fourmies, pas pour parler de REV3, mais tout simplement pour montrer les avancées de REV3 à Fourmies. C'est-à-dire que l'idée, cette idée qui pouvait sembler folle pour certains, portée par Jérémy, et accompagnée et voulue, il faut rendre à César ce qui leur appartient, à Daniel Percheron et à Philippe Vasseur, que je veux remercier publiquement, que cette idée, elle est en train de prendre corps, de prendre forme et de devenir réalité dans la région des Hauts-de-France. C'est ça le message d'aujourd'hui. C'est ça le symbole d'aujourd'hui. Et je l'ai souvent dit, pour moi la région c'est toute la région. Je ne peux pas avoir Lille et le désert ailleurs. J'ai besoin d'une locomotive comme la métropole de Lille. Mais j'ai besoin aussi que quand on n'habite pas Lille, on puisse se dire qu'il y a un avenir dans la région. Et l'exemple d'aujourd'hui, c'est tout simplement de montrer que c'est ici, le cœur de REV3, aujourd'hui et pas seulement aujourd'hui, c'est ici à Fourmies. Alors ce n'est pas le fait du hasard non plus. On n'est pas venu installer une opération juste pour la journée. C'était, si je ne me trompe pas, en juin 2016. Je viens un samedi après-midi ici pour une conférence sur la troisième révolution industrielle. TRI, troisième révolution industrielle, REV3, c'est la même chose. Et là, un samedi après-midi, il y a pourtant plein d'autres choses à faire à Fourmies, il était bondé ce théâtre, avec des gens qui étaient passionnés, qui venaient écouter, qui venaient chercher à comprendre. Et depuis, ça ne s'est pas arrêté. Ça montre quoi ? C'est que REV3, ce n'est pas un sujet de conférence, ce n'est pas une idée en l'air. REV3, c'est l'avenir d'un territoire, que ce soit une région ou que ce soit notamment ici, pour la Vénois. Ici, c'est du boulot pour les gens, parce que c'est des boulots dans des nouveaux domaines, dans des nouveaux secteurs, qui ne sont pas complètement étrangers à ce que vous connaissez, mais qui sont les métiers et les emplois de demain. C'est aussi pouvoir avoir un environnement plus intelligent, plus intelligemment abordé et exploité par l'homme, mais qui aussi soit plus protecteur de la santé. Et puis c'est aussi des nouvelles mobilités, parce que quand on est à Fourmies, bien évidemment, on n'a pas envie, on n'a pas vocation à être oublié. Alors, vous allez penser qu'on va vous parler beaucoup de nouvelles technologies. Non, j'oublie pas non plus la responsabilité qui est la mienne, en tant que président de région, de me battre pour que l'État n'oublie pas ses engagements et qu'on ait la RN2, une véritable RN2. J'oublie pas non plus mes engagements, mais je sais que je bosse pas tout seul. Si les parlementaires qui sont là, qui m'aident, avec les conseillers régionaux présents, avec les conseillers départementaux, pour qu'on ait bel et bien l'étreint d'équilibre du territoire. Je n'oublie pas qu'avant de parler du monde d'après, d'après-demain, je dois aussi veiller à ce que notre quotidien soit un quotidien où on obtienne des résultats. Je sais tout cela, mais on a besoin de se projeter dans l'avenir. Ici à Fourmies, il y a un passé formidable. Il y a un présent que je qualifierais de résilient. Mais on a envie de connaître un avenir formidable. Alors les projets sont nombreux, vous les connaissez mieux que moi, parce que même si parfois ils me charrient en me disant que je suis si souvent à Fourmies que je devrais me prendre un tout appartement à Fourmies, mais ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu c'est demain. Et je le dis et je reprends ce qu'a dit Mickaël tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez toutes et tous fait bien attention. Je pense que dans la région, on a envie, il y a la place, il y a un avenir pour avoir un hub d'impression 3D métal. Je vais être plus précis, ce n'est pas seulement dans la région que je veux en parler, je pense qu'il aurait toute sa place ici, à Fourmies, parce qu'il y a un appétit, parce qu'il y a un écosystème, et il y a des gens qui veulent donner un contenu concret et précis. Et si tel est le cas, la région vous accompagnera, pas avec des discours, mais avec des moyens, avec des financements, pour
pour installer justement ce hub d'impression 3D métal. Voilà le message que je voulais passer. On n'est pas les seuls à la région à y croire. Et aujourd'hui, il y a aussi une autre dimension qui est en train de se prendre. Et la présence de Sébastien Lecornu tout à l'heure, le secrétaire d'État, montre bien que ce qui a été observé un petit peu de loin en disant est-ce que ça va marcher, leur truc, dans la région des Hauts-de-France, est-ce que l'idée de Jérémy Rifkin, elle peut devenir réalité, aujourd'hui, elle intéresse et elle impressionne dans toute la France, je peux en porter témoignage. Elle intéresse également en Europe et beaucoup plus loin que l'Europe. Mais ça, Jérémy en parlera mieux que moi tout à l'heure. Donc au début, il y avait quelques faits sur le berceau de Rêve 3. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus que cela, des faits. Et ce qui est important également, c'est que Mickaël l'a expliqué, si ça marche, c'est parce que les gens sont impliqués, du début jusqu'à la fin. Ils sont impliqués pour que les idées deviennent projets, que les projets deviennent réalité. Et parce que je pense qu'il y a ici, si le théâtre est plein, des gens qui se disent qu'à Fourmies, au-delà du tourbillon d'innovation, de ce qui est en train de se mettre en place, de la dynamique, eh bien oui, les gens se disent que le futur, il se dessine maintenant et que c'est un futur avec des emplois pour les gens d'aujourd'hui et pour les enfants de demain. Je finis juste. J'étais tout à l'heure à Avesnes-sur-Helpe pendant midi. Je disais l'entreprise Sogemedia. Sogemedia, vous ne le savez peut-être pas, c'est unique en Europe. Unique en Europe. Il y a une rotative numérique. Et Jérémy, c'est juste à quelques kilomètres d'ici, mais je serais content de pouvoir montrer à Jérémy Rifkin qu'en définitive, on a une révolution industrielle qui s'est faite avec les nouvelles technologies et qu'en plus, tout est chauffé par l'énergie produite par cette roto numérique d'un nouveau modèle. On est en plein dans Rêve 3. Et Rêve 3, c'est un petit peu comme si M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. On en fait tous les jours. Et nous, ce que nous devons montrer, c'est que Rêve 3, c'est du concret et que la région passera à la vitesse supérieure partout sur le territoire grâce à cette troisième révolution industrielle. Aujourd'hui, c'est Fourmies, parce que vraiment, ils ont une pêche pas possible ici, ils s'en donnent la peine et ils réussissent à fédérer et à rassembler. Et tiens, entre parenthèses, il n'y a pas de politique ou de politique aérienne qui compte. Il y a juste la politique de l'intérêt général. Je le dis et je l'assume. Rêve 3, c'est une politique d'intérêt général. Ce qui se fait ici à Fourmies avec Mickaël, c'est de l'intérêt général. Et il n'y a que ça qui peut nous permettre demain de connaître, comme le passé triomphant qu'a connu Fourmies, un avenir qui soit beaucoup plus souriant pour les gens d'aujourd'hui et pour les enfants de demain. Merci d'être si nombreux. Merci beaucoup. Merci messieurs, je vous propose de regagner la salle, en effet, pour assister avec nous à la première partie de l'après-midi, celle des témoignages sur les 2 ans de Rêve 3 à Fourmies. Et pour ça, je vais demander à Marie Henneron, Michel Jonas, Nicolas Hernigou, Lucas Brisé, Louis Decaux, Cathy David, Baptiste Serrier, Bernard Cuisset et Chekib Garbi de bien vouloir prendre place sur les fauteuils qui sont sur scène. C'est un tout petit échantillon des gens qui sont en mouvement à Fourmies. Et pendant que chacun s'installe, on va commencer avec vous, Marie, on va laisser chacun s'installer. Vous êtes responsable du service 3e révolution industrielle qui n'existait pas il y a 2 ans. Et on va un peu parler, beaucoup parler avec vous. Monsieur le maire a commencé à l'évoquer, l'ADN, on va dire, du projet, la gouvernance partagée, faire avec les habitants. Mais pour commencer, et ce n'est pas sans lien, je voudrais revenir avec vous 2 minutes sur la façon dont vous êtes devenu chef du service 3e révolution industrielle. Il y a un peu plus de 2 ans, vous étiez responsable d'une agence bancaire ici à Fourmies. Vous aviez commencé un congé individuel de formation, vous suiviez un master 2 en économie sociale et solidaire à Valenciennes, vous tombez sur le livre de Jérémy Rifkin, La 3e révolution industrielle, comment le pouvoir latéral va transformer l'énergie, l'économie et le monde, et vous vous dites, texto, hein, c'est ça que je vais faire de ma vie. Voilà, alors on n'entend quand même pas ça tous les 2 jours. Qu'est-ce qui vous a attrapé dans ce bouquin dont vous dites vous changez de vie, vous changez de bouquin et vous créez quasi le poste, enfin monsieur le maire nous le redira, et vous êtes là. Qu'est-ce qui fait ce changement? C'est une histoire de rencontre. Une rencontre dans mon domaine privé, un conjoint qui est dans les circuits courts alimentaires, une coopérative énergétique, les acteurs du monde de l'économie solidaire. Et puis il y a aussi la rencontre avec Jérémy Rifkin, avec son bouquin, tout d'abord, une stratégie très bien ficelée selon moi. Une rencontre avec Jérémy Rifkin aussi en 2013. À la présentation du master plan. À la présentation du master plan, effectivement. Moi, j'ai été avide de le voir. J'étais fan du bouquin. J'attendais ma rockstar au nouveau siècle. Je ne sais pas combien de milliers de personnes on était ce jour-là. Je me souviens, j'étais là en haut dans la salle.
Et j'ai senti une énergie parmi tous les gens qui attendaient, et je sais qu'il y en a de nombreux qui sont là aujourd'hui. Je me suis dit, c'est génial, je ne suis pas toute seule à y croire, on est nombreux à vouloir changer le monde. Il y avait aussi sur scène, autour de Jérémy Rifkin, des intervenants avec des discours forts, percutants, qui étaient là pour donner une vision, un avenir enthousiasmant au territoire. Et ces personnes autour de lui étaient de toutes les couleurs. Il y avait Jean-François Caron, de toutes les couleurs politiques, j'entends. Il y avait Jean-François Caron, Philippe Vasseur, Jérémy Rifkin et bien d'autres, Claude Lenglet évidemment. Et vous aviez tous un discours fort, un discours assez fort en tout cas, pour me donner la foi et l'envie d'œuvrer dans cette direction-là. Et puis il y a eu également une rencontre avec monsieur le maire de Fourmies, un élu atypique à mon sens, qui a la force de sa conviction, qui croit en Rêve 3, qui fait confiance à ses équipes, qui a le courage d'aller là où on ne sait pas, puisque par essence on est sur l'innovation, donc on ne sait pas, il n'y a pas de recette toute faite. Et aujourd'hui on est là tous ensemble, il y a d'autres forces vives qui nous ont rejoints. Elles sont là. Ce sont les habitants, ce sont d'autres, des experts aussi. Et c'est une joie, une fierté d'être là tous ensemble pour un projet aussi beau que celui de Fourmies. Et franchement, j'espère qu'aujourd'hui, vous allez ressentir la même chose que j'ai ressenti à Lille au Nouveau Siècle en 2013. Alors, ce qui irrigue votre action ici, vous l'avez dit, Monsieur le maire l'a dit tout à l'heure, vous l'avez redit, c'est faire ensemble, ce que Jérémy Rifkin appelle le pouvoir latéral, la gouvernance partagée. Pourquoi c'est central, cette chose-là? Et puis, est-ce que c'est pas évident, après tout? Est-ce que ça doit être construit? Alors, avant toute chose, ce serait bien peut-être de définir ce que c'est la gouvernance partagée. C'est un mot qui peut être un peu galvaudé, mais en clair, c'est comment on pilote un projet tous ensemble, depuis la définition du projet jusqu'à sa mise en œuvre. Ça peut passer juste par un partage de réflexion, mais aussi par le financement, par des prises de décision. Ça nécessite d'être dans un schéma d'accueil, de compréhension et de décision, car c'est ensemble qu'on ajuste ce qui constitue un devenir. On n'est pas du tout habitué, que ce soit dans le domaine privé ou dans la sphère publique, à travailler comme ça de manière horizontale. Notre habitude, elle est assez verticale. Donc c'est pas simple. Sauf qu'aujourd'hui, on nous parle, et ça a été très bien dit précédemment, d'innovation technologique, d'innovation sociale, de transition énergétique. Et du coup, ça touche à nos vies, à tous, à nos vies d'entreprise, à nos vies d'habitants et à nos villes. Et donc, c'est bien pour ça que c'est avant tout pour les gens qu'on le fait et avec les gens qu'on doit le faire. La deuxième chose, c'est que dans le livre de Jérémy Rifkin, le mode d'emploi de gouvernance partagée, il n'est pas livré. Il n'y a pas la fiche détaillée de comment on met ça en œuvre. Donc, vous avez, vous ici, inventé, vous avez tracé votre propre... Vous êtes en train de le faire, tracé votre propre chemin. Quels sont les principes centraux qui guident votre action dans ce domaine-là, sur le fait, ce que vous disiez à l'instant, faire ensemble? On expérimente pas à pas une méthodologie, on se teste. Pour le moment, on peut dire qu'on l'a fait en quatre temps, la mise en œuvre de la gouvernance partagée. Déjà, c'est bien beau de parler de troisième révolution industrielle dans un territoire qui n'en a jamais entendu parler avant. Encore faut-il donner les clés à chacun pour comprendre ce que c'est. C'est ce qu'on a fait après, et ce que l'on fait encore en expliquant aux gens ce que c'est la troisième révolution industrielle. On l'a fait par exemple à travers un film enthousiasmant qui expliquait aux gens du territoire que nos grands-parents ont déjà été très forts pour faire la première et la deuxième révolution industrielle. Maintenant, à notre tour, de prendre notre part et de faire la troisième. On est également allé voir des projets inspirants à Grande-Synthe, chez Damien Carême, mais aussi à Los Angeles, chez Jean-François Caron, pour montrer aux gens que c'est possible. L'année passée, la conférence 3e révolution industrielle a donné un coup de boost à cette politique de partage.
si je puis dire. D'ailleurs, je me souviens, M. Bertrand avait dit « Je crois en vous, allez-y, foncez ». Et je peux vous garantir, n'est-ce pas, Monsieur le maire, qu'on a foncé. Vous avez reçu le message. Message reçu 5 sur 5. Voilà pour la phase du faire savoir. Il y a aussi un point important, et là c'est le deuxième point du comment on fait la gouvernance partagée. En une minute. En une minute, c'est ça on le fait pour les jeunes. Et du coup, il faut le faire avec la jeune. C'est pourquoi on est allé chercher nos jeunes dans les lycées. On leur a lancé des défis. Ils ont participé à notre communication. Il y a d'ailleurs des lycéens qui ont produit un film sur vous, Monsieur Rifkin, ici, dans le fin fond de la Vénois. On ne vous a pas demandé l'autorisation, mais vous pourrez le voir. Ils l'ont fait. Ils ont monté des mini-entreprises également pour se projeter en tant qu'entrepreneur dans la troisième révolution industrielle avec l'association Entreprendre pour apprendre. Là, je vous ai parlé des jeunes. Alors, je vous ai dit, on a donné les clés pour comprendre. Après, il faut se mettre en mouvement. C'est pourquoi on a décidé d'inviter tous les acteurs du territoire dans les projets. Aidez-nous à définir les cahiers des charges 3e révolution industrielle de notre tiers-lieu, de notre écoquartier et bientôt de notre stratégie énergétique. On a choisi des méthodologies qui innovantes pour que chacun comprenne qu'on est tous égaux devant des projets comme cela. On est tous des experts d'usage en tous les cas. Et je termine juste là-dessus, on s'est réjouis à chaque fois d'avoir toutes les générations autour de la table et tous les secteurs d'activité socio-professionnels. Bon, c'était difficile de tout raconter en 8 minutes, c'était déjà pas mal réussi, mais c'est pour ça qu'on a fait un film pour... On va regarder ça ensemble sur cette fameuse gouvernance partagée, les multiples petits bouts du pulse qui se mettent en place, on regarde. Je suis Jean Michard, auteur de l'enregistrement historique. J'ai participé aux ateliers d'éco-design parce qu'à mes yeux, le concept de troisième révolution industrielle défie pour la première fois depuis très longtemps les conditions d'un avenir possible pour les habitants de ce pays. Ce qui m'a mené dans cette démarche, c'est qu'on m'a demandé à l'écho des interlocuteurs de ce projet. Je suis Jean-Michard. Les ateliers de co-design mettent à la portée de tous la troisième révolution industrielle. Grâce à la participation à l'atelier tiers-lieu, j'ai compris quels étaient les enjeux de la tri pour ma ville et pour nous, habitants de Fourmies. C'est une chance qui nous est offerte de pouvoir construire tous ensemble notre avenir et celui de nos enfants. On va donc entamer le deuxième point d'étape sur Fourmi raconte sa rêve 3 avec la question de l'énergie. Je vais demander à Nicolas Hernigou et Michel Jonas de me rejoindre sur ce petit pupitre. Nicolas Hernigou, vous êtes directeur de Cohérence et Énergie, un cabinet d'études basé à Lille. Et Michel, vous êtes habitant de Fourmi, retraité de la métallurgie et expert d'usage des questions énergétiques puisque, on le verra tout à l'heure, vous travaillez beaucoup autour de votre maison avec des objectifs d'autonomie très, très forts. Nicolas, la ville de Fourmies a retenu votre cabinet, parmi d'autres cabinets, pour vous demander d'écrire avec elle le scénario qu'elle s'est fixé, enfin l'objectif, à vous d'écrire le scénario. L'objectif, c'est, monsieur le maire le rappelait tout à l'heure, en 2050, 100% d'énergie renouvelable et 60% de consommation en moins. On peut dire que c'est un objectif assez ambitieux. Vous avez commencé à travailler en juillet 2017. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Et deuxième question, quelle est la suite du travail? Qu'est-ce qui s'annonce, évidemment, sur le plan de la méthode? Comment chacun à Fourmies va pouvoir participer à ce que vous préparez? Alors, nous sommes effectivement un groupement de plusieurs cabinets qui a été retenu. Ça nécessite des compétences pluridisciplinaires.
Alors, ce qui a été fait jusqu'à présent, c'est un premier travail finalement de collecte de données. Vous allez le voir ici. Alors, on l'a un peu imagé sous forme un peu de données diffuses et éparpillées. Ce qu'on cherche à faire déjà dans cette première étape. Tout le monde a un petit bout de l'info, voilà, des consommations. Alors, vous pouvez constater une multitude d'acteurs. Bâtiments publics, bâtiments privés. Voilà, le patrimoine des acteurs publics, privés, des gestionnaires de réseau, des fournisseurs, des consommateurs. Voilà, une multitude d'informations à l'échelle d'un territoire comme la ville de Fourmies, qui nécessite d'être agrégé, compilé, traité, organisé, et tout ça dans la perspective de prioriser finalement des enjeux, des constats énergétiques et des enjeux pour construire des objectifs ambitieux que vous avez rappelé en 2050, et finalement quelle trajectoire et quels axes structurants on va mettre en place pour mener et mettre en place les efforts dans ce sens. Les objectifs, vous l'avez rappelé, sont très ambitieux, et donc réduire de 60% la consommation énergétique sur un territoire, ça nécessite des axes très structurants, que ce soit sur le patrimoine public ou privé. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur cet état des lieux aujourd'hui? Vous savez combien on consomme par type d'énergie, par type d'activité? Tout à fait. Vous pouvez le voir juste un petit peu après. Oui. S'il vous plaît. Bon, alors, ou quelques premiers éléments, hein, mais ce qui est plutôt intéressant, je ne vais pas forcément m'attarder sur des chiffres d'émissions de gaz à effet de serre, etc. Je pense que ce qui peut être parlant, c'est que le territoire aujourd'hui consomme à peu près 165 gigawattheures d'énergie finale sur le territoire, toute énergie confondue, que ce soit du gaz, de l'électricité, autant pour se chauffer que pour charger son smartphone ou allumer son téléviseur. Ça représente pas moins d'un peu plus de 13 millions d'euros dépensés chaque année sur le territoire pour s'approvisionner en énergie, pour tous les usages, ce qui est considérable. On imagine que si on réduit de 60%, ça peut être intéressant. Voilà, alors, il y a d'une part, effectivement, cet objectif de réduction, mais aussi voilà, la vulnérabilité d'un territoire aux enjeux énergétiques. Vous voulez dire que le coût de l'énergie risque d'augmenter. L'électricité est partie pour augmenter, voilà, pour aller vers l'eau. Donc, bon, dans les premiers éléments, on est en train de coproduire ça avec la collectivité, mais on est quand même sur des indicateurs qui sont de l'ordre d'une hausse potentielle dans les dizaines d'années à venir de 1,5 à 2 millions d'euros sur cet élément-là. Donc, premier enjeu, limiter les dépenses pour demain. Voilà. Pour vraiment demain, pas après-demain, pas 2050. Pour tout demain. À fait. Là, on est déjà sur quelque chose à une échéance de l'ordre de 2030 à peu près. Voilà, donc à peu près 20 millions d'euros si on rajoute les transports, qui est une réelle difficulté pour beaucoup d'acteurs sur des territoires. Hein. C'est comment on vient accompagner et faire muter les modes de transport et de mobilité. Aujourd'hui, l'approvisionnement, il est majoritairement en gaz sur les besoins de chaleur. Ce qui est intéressant, c'est que, et ce qui est aussi très structurant, c'est que 60% des dépenses énergie sur le territoire sont portées par les ménages directement. Donc il y a un enjeu fort vis-à-vis de la population d'accompagner justement ces points très structurants, et notamment sur le résidentiel. Un petit exemple, un petit focus, les trois quarts des logements sur Fourmies ont été construits avant 1970, avant la première réglementation thermique française. Donc on est sur des enjeux quand même de rénovation de patrimoine qui sont essentiels pour faire effondrer les consommations d'énergie et améliorer le confort également. Voilà. Petit point qui est un peu particulier et qui nécessite justement d'être vigilant sur un des axes structurants qui est la rénovation énergétique, c'est 39% des ménages sont en précarité énergétique actuellement, ce contre 11% à l'échelle de la région. Ce qui signifie précarité énergétique, qu'ils ne parviennent pas toujours à faire face au coût du chauffage, enfin voilà, à se chauffer correctement. Tout à fait. C'est la part de l'effort financier mensuel est importante. Donc on a le tableau aujourd'hui à peu près. On voit que 60%, c'est effectivement les ménages. Quelles sont les étapes que vous enclenchez maintenant pour écrire ce scénario 2050, 100% d'énergie renouvelable et 60% de réduction des consommations? Alors du coup, on est un petit peu à une phase transitoire où l'état des lieux, les constats concerne la plupart des hypothèses et des éléments factuels. On a une idée qui se construit au fur et à mesure sur le potentiel de production d'énergie renouvelable et les infrastructures telles que les réseaux électriques ou gaziers ou chaleur existants. On peut se rendre compte, je vous donne un élément, ne serait-ce que sur le solaire photovoltaïque, qui est souvent un élément structurant dans la production d'énergie renouvelable. Rien que la collectivité dispose de près de 7% des surfaces bâties de toiture qui sont
plutôt favorablement disposés pour accueillir du photovoltaïque. Donc c'est positif. Tout à fait. C'est la collectivité qui dit on voilà. peut agir vite. C'est ça que vous tout voulez à dire. Fait. Donc dans les pistes de travail, on va essayer de distinguer un petit peu ce qu'on peut appeler des projets vitrines, démonstrateurs, pilotes, qui vont s'inscrire dans des axes structurants pour tendre vers cet horizon 2050. Et c'est ça qu'on cherche à faire. Un mot quand même, c'est important, sur la méthode. Comment vous allez procéder pour associer tous ceux qui auront envie à cette réflexion? Voilà. Ben, ce que vous voyez aujourd'hui, c'est qu'on croise avec les plans les actions en cours. Et on va faire un travail à partir des enjeux, des constats de consommation d'énergie et des potentiels de réduction et de production d'énergie renouvelable sur la ville de Fourmies. On va coproduire des scénarios à travers des ateliers d'animation, que ce soit à l'échelle de la collectivité, des services, des élus, et également vers l'extérieur, donc ouvert à la population. Donc dans les semaines qui viennent, il y a des ateliers qui vont être là pour permettre à la fois de décrypter les enjeux énergétiques, de déconstruire un petit peu les a priori sur le côté très scientifique, et en même temps de s'approprier les clés de lecture. Ça commence dans les jours, dans les ça commence la semaine prochaine, tout à fait. Si on a envie 18, de s'inscrire, on fait voilà. comment? Alors là, je laisserai Marie et Enron. On s'adresse au service 3e révolution industrielle tout de la mairie. Voilà. Merci Nicolas de ces précisions. On parlait de 60% qui est l'habitat privé. On va vous écouter. Michel Jonas, prenez un micro. Vous êtes un peu l'avant-garde du changement, j'allais dire. Il y a un peu plus d'un an, dans le cadre d'un défi famille énergie positive proposé par la mairie, vous engagez dans le concours. Le principe, c'est on fait des équipes par famille et on regarde si on arrive à baisser ses consommations énergétiques à la maison, électricité, fuel, gaz, on trouve tout un tas de techniques pour réduire ça. Vous remportez le défi avec votre équipe, et faites pas le modeste, et ça vous réveille, ça réveille en vous l'homme d'industrie que vous avez été, vous êtes à la retraite aujourd'hui, mais vous êtes à la recherche de la plus grande efficacité. Et vous décidez de rendre votre maison autonome. Alors, vous avez fait le point, hein, dans le cadre du défi, vous consommiez il y a un peu plus d'un an 12 000 kilowattheures par an de sources électriques. Vous êtes entièrement chauffé à l'électricité. Oui, c'est ça. Où en êtes-vous aujourd'hui? Quelle solution, quel diagnostic et quelle solution avez-vous mis en œuvre? Alors, effectivement, le défi a été l'étincelle. Hein. J'ai rencontré ça un petit peu par hasard ici à Fourmies, tout en y habitant. Un forum organisé par la municipalité à la salle Marie-Jo Pérec. Mettez bien votre micro dans votre... Voilà. Voilà. Je venais chercher de l'information et puis j'ai découvert l'organisation du défi. Du coup, j'ai rejoint ce défi hein, avec une équipe que j'ai essayé d'encadrer. Le résultat, je ne dis pas que c'est quelque chose de formidable, mais en fait, j'allais dire, ce genre de réunion, ce genre de manifestation a quand même un gros intérêt au niveau des économies d'énergie. Le plus gros intérêt, c'est d'en parler. Parce qu'en fait, on a toujours l'impression que les économies d'énergie, c'est l'affaire des autres. Hein. Et en fait, le fait d'en parler, ben, on s'est aperçu, et d'ailleurs, c'était un petit peu le contenu du défi, c'est qu'il y a mille manières, mille petites manières de faire des économies. Hein, voilà. Donc, c'est la politique des petits pas. Alors quand même, bon. Chez vous, on va le dire, c'est quand même un grand pas. Oui, alors, hein, si les petits pas, c'est mon épouse, à vrai dire. Hein. Donc, ça a été la plus difficile à convaincre. Hein. Mais bon, j'ai réussi. Hein. Voilà. Et puis, donc derrière ça, après avoir essayé de diminuer une consommation, mais qui n'a pas été... j'ai gagné peut-être 3-4% hein, sur mes 12 000. En fait, j'ai eu un deuxième déclic que l'idée, c'est pas l'idée, l'occasion, c'est au cours d'une visite organisée par l'UIC Picardie-Champagne-Ardenne de Saint-Quentin. Nous avons eu l'occasion de visiter une maison à énergie positive construite, imaginée par Arkema. Cette maison, elle existe sur le site de Bostik à Compiègne et j'ai eu l'occasion de visiter cette maison-là, où finalement j'y ai trouvé une construction, je dirais, classique au niveau mur, un petit peu dans le genre de ma maison, parce que je pars d'un bon outil, le fond est bon,
Et puis, bien sûr, des panneaux solaires, pas seulement que sur les toits, sur les murs, une ventilation double flux pilotée par ça, des sondes. Ça, c'est la maison témoin que vous avez vue. Vous témoin. Rentrez chez et, vous. Et j'ai voulu, en fait, une usine à gaz. Quand j'ai visité ça, je me suis dit, ça, c'est effectivement une usine à gaz. Donc, j'ai voulu, dans ma tête, transposer cette usine à gaz en, j'irais, quelque chose de recevable par le commun des mortels. Et c'est à gaz, vous voulez dire très compliqué, dur à atteindre. Oui, tout à fait. Hein. Mais en fait, ça marche. Arkema a fait ça pour étudier et non pas pour développer. Donc, comme il nous reste deux minutes, qu'est-ce que vous avez fait chez vous et donc, où vous en êtes de vos consommations? Donc, moi, en fait, j'ai, une fois avoir diminué mes consommations ou essayé de les encadrer, je me suis équipé de panneaux solaires. Sur la face est, alors je dois dire que c'est pas la meilleure, mais ma maison est ainsi construite depuis 82 et j'ai pas réussi à la tourner. Donc on a monté 36 panneaux et aujourd'hui, je termine ma première année, première année d'exploitation et à fin novembre, j'aurai produit 7000 kWh. Donc 7000 sur mes 12000 de consommés. Ce qui veut dire que, globalement, je suis à 58% de, j'irais, d'énergie produite par moi-même, si je puis dire, et qui ne m'autorise pas pour autant à consommer plus. Bah non, parce qu'il en reste 5000 tout à fait. Pour atteindre l'autonomie. Voilà. Donc maintenant, il me reste mes 5000 et mes 5000... Je suis en train d'y regarder, alors plusieurs solutions. On en a parlé, et comme il ne nous reste qu'une minute, ça serait compliqué d'entrer dans le détail. Mais là encore, tout à l'heure, quand on boira un verre en salle de bal, allez voir Michel si vous voulez. Juste une question, vous parliez tout à l'heure, l'avantage des défis, des choses comme ça, c'est de faire parler de ça. Ouais. Est-ce que vous considérez, vous, un peu comme un ambassadeur de la troisième révolution industrielle? Ambassadeur, pour moi, c'est un bien grand titre. Hein, mais effectivement, il faut toujours un leader. Il faut toujours un leader. Effectivement, vous savez, quand vous réussissez quelque chose, la meilleure récompense que vous pouvez en fait obtenir, c'est d'en faire part. Voilà. Et que vous, ceux qui vous écoutent aient de nouvelles idées pour aller au-delà de vous, ce que vous avez fait. Merci Michel, merci d'avoir synthétisé si vite ce que vous avez entrepris. Merci pour ces deux témoignages, tous les deux, qui sont loin d'être des exemples isolés. On va le découvrir là aussi en images. Beaucoup de gens à Fourmies s'intéressent à leur consommation énergétique. On regarde. Je suis Christine Dufresnoy, aide-soignante à l'hôpital de Fourmies. Grâce au guichet unique et à la caméra thermique, j'ai pu réaliser un bilan énergétique de ma maison. Séverine m'a ensuite orientée vers Solillac-Calplac, où j'ai monté un dossier de subvention. Aujourd'hui, mon dossier est en attente de traitement. Je peux prétendre à 10 000 euros d'aide. Je suis Cédric Auvin, enseignant à l'école de Fourmies, l'école primaire. J'ai participé au défi Famille Énergie pour voir comment on se situait au niveau de notre famille sur notre consommation énergétique, voir si on pouvait faire des économies, voir si on était des co-consommateurs ou pas. Le bilan a montré qu'on était déjà assez économe et qu'on avait des améliorations à faire. C'est sur ça qu'on a travaillé. Le soir après l'école, grâce à la mallette GRDF, on a pu apprendre les éco-gestes. Un éco-geste, c'est un geste qui permet de faire des économies et qui sert à protéger la planète. On a pris des engagements et on a reçu un diplôme. C'était chouette. Les bons gestes à faire sont... J'éteins la lumière en quittant la pièce. Je ne laisse pas la fenêtre ouverte lorsque le radiateur est allumé. Mon nom est Didier Cousin, je suis directeur territorial Hauts-de-France au sein de GRDF. Notre entreprise a des relations de longue date avec Fourmies. Pleinement engagée dans la troisième révolution industrielle et la transition énergétique, nous voulons, avec Fourmies, développer la méthanisation territoriale et la mobilité durable bio-GNV dans une logique d'économie circulaire. Nous avons également l'ambition commune de sensibiliser la population à la maîtrise des dépenses énergétiques et à encourager la réhabilitation. Le
Les transports de personnes et de marchandises représentent 25% des émissions de gaz à effet de serre. On comprend donc pourquoi la mobilité, la façon dont on se déplace, est un enjeu central de la troisième révolution industrielle. Qu'est-ce qui se passe à Fourmies sur ce front-là depuis 2 ans? On va voir ça avec Lucas Decaux. Avec Louis Decaux, pardon, et Lucas Brisé, qui sont en terminale, rejoignez-moi, au lycée Camille Claudel de Fourmies, section sciences et technologies de l'industrie et du développement durable, et aussi avec Cathy David. Vous êtes responsable projet et développement au sein de Transdev Hauts-de-France. Et Louis nous apporte une petite maquette, puisque tous les deux, monsieur le maire en a parlé tout à l'heure, vous avez avec vos enseignants Sébastien Mérès et Philippe Meurice, depuis la rentrée 2016, bossé sur cette question-là, qui était créer une voiture adaptée aux Fourmisiens, qui soit accessible, facile. Bon, je viens de Roubaix, c'est pour ça des fois je suis un petit peu... Voilà. Moi aussi, j'ai mes petits bugs. Accessible, facile. Vous allez nous en parler tous les deux, et d'ailleurs tout de suite. Comment ça a commencé quand on vous a dit, voilà, il faut créer la voiture, et on va la découvrir en image derrière nous, et puis elle est là devant nous. Comment vous pourriez la décrire? Elle est comment? Combien de places? Quelle motorisation? À qui elle est destinée? Où on la trouve? Bref, à quoi? Comment elle rend la vie plus facile pour les Roubaisiens? Peut-être on commence avec la voiture elle-même, sa motorisation, avec Lucas. Alors, on a commencé par imaginer le design de la voiture. On est parti sur une voiture qui posséderait 3 roues afin d'optimiser la place. Mm-hmm. Donc, ce serait une voiture avec 2 places, l'une à côté de l'autre. C'est une voiture très petite à motorisation électrique afin de rentrer dans un développement durable grâce à l'énergie électrique. Louis, l'idée de cette voiture, c'est quoi? Elle répond à quel type de besoin? On la trouve où? On s'en sert pour quoi faire à Fourmies? Alors, la voiture pourrait servir aux personnes ayant au minimum le code, pour par exemple faire aller à Carrefour ou dans les zones fréquentées. Pour aller faire ses courses, par exemple, oui. Pour aller dans d'autres lieux. Est-ce qu'elle sert aussi à aller à la gare? On trouve ces voitures où et elle sert à quoi du coup? On avait regardé plus ou moins là où elle pourrait être située. Donc par exemple à la gare, à la mairie de Fourmies, à Saint-Pierre, à Camille Claudel, sur la zone de la Marlière, à Trieux, par exemple. Des endroits où on... Enfin, des points centrales, quoi, où on peut partir vers d'autres directions à partir de là, où on a des fonctions à remplir là-bas. OK. Qu'est-ce qui vous... Dans l'exercice que vous avez fait avec votre prof, et qui continue, hein, puisque ça se poursuit à raison de une fois par semaine, c'est ça, le rythme de boulot sur la voiture, parce que vous continuez d'étudier à côté, vous travaillez, c'est quoi? C'est une fois par mois, une semaine sur la voiture? Quelques semaines dans l'année. Ouais, réparties sur l'année. Qu'est-ce qui vous semble relever de la troisième révolution industrielle dans le fait de participer à cette aventure-là? En quoi vous vous dites, ça, c'est sûr, je participe à l'écriture de demain? C'est principalement l'innovation. Savoir que quelque chose comme ça se passe à Fourmies, c'est intéressant parce qu'à Fourmies, on a très peu l'occasion de s'apercevoir de ces choses-là, des projets comme ceci. En tant qu'élève, on ne peut pas s'en apercevoir. Vous aviez l'impression, peut-être quelques années en arrière, que c'était pas, vous imaginiez pas que vous feriez un truc pareil en terminale. Exactement. Pas à Fourmies en tout cas. Voilà. Louis, cette question de participer à la troisième révolution industrielle, peut-être sur le champ du développement durable, vous avez l'impression que peut-être un aspect qu'on n'a pas dit, c'est que vous l'avez conçue avec des matériaux spécifiques. Alors cette voiture, on voulait la fabriquer avec des matériaux de récupération, principalement parce que c'est le développement durable. Et la motorisation serait électrique, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc ce qui est aussi dans le développement durable. Et là, pareil, le sentiment d'être dans le coup avec un projet comme ça, avec ce qui se passe à Fourmies, C'est tout simplement à Fourmies, quand on voit ce projet-là se créer sur Fourmies, ça fait bizarre, tout simplement. Bizarre, est-ce que vous pouvez développer? Oui, parce que l'image, les échos de Fourmies qu'on a, c'est pas forcément positif, donc avec ces projets-là, on pourrait voir que Fourmies, c'est en train de se renouveler principalement.
Et du coup, est-ce que vous imaginez un avenir ici, je sais pas, devenir ingénieur ou je ne sais, ou fabriquer ça? Est-ce que ça a changé votre perception de quand je serai grand? Oui, tout simplement, oui. Oui, une fois avoir fini nos études en grande ville, ça pourrait être sympathique de revenir dans les villes où on a grandi pour instaurer ce genre de projet. Précisément parce que ça a lieu ici. Voilà. Merci messieurs. Vous allez passer un micro à Cathy David. On peut les applaudir. On en reparle dans 5 ans quand les études sont terminées, si vous êtes revenus. Cathy David, vous êtes responsable projet et développement donc de Transdev Hauts-de-France. Transdev, c'est les autocars de la Vénois, par exemple. Hein, c'est un opérateur de transport. Vous menez ici depuis mai 2017 une expérimentation qui part d'un constat. Pour accéder à l'emploi et à la formation, il faut pouvoir bouger. Hein, il faut pouvoir se déplacer. Or, Fourmies fait partie de ce qu'on appelle une zone blanche, une zone en gros où si on n'a pas de voiture, il est très difficile de se déplacer. Du coup, vous avez animé des ateliers pour inventer des solutions de mobilité, comme on dit, 3 ateliers en mai-juin 2017. À chaque fois, c'était pas tout à fait comme ici, mais quand même, 40 personnes sur une demi-journée pour bosser sur ces sujets-là. Qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce qui ressort de vos travaux? Est-ce que ce sont des innovations comme celles que nous ont décrites Lucas et Louis, que les gens mettent en avant? Est-ce que c'est des choses, par exemple, aussi comme le véhicule autonome que vous avez apporté dans vos bagages et qui est en démonstration devant le théâtre? Ou est-ce que c'est d'autres choses qui sortent? Qu'est-ce que produisent ces ateliers? Alors merci Pierre. Tout d'abord, je suis très honorée de partager la scène justement avec les élèves du lycée Camille Claudel, en particulier sur cette question du pilier mobilité, troisième révolution industrielle. Alors effectivement, pour nous, Transdev, filiale de la Caisse des dépôts, la mobilité, c'est à la fois de l'innovation, mais pas que, j'ai envie de vous dire. Parce que finalement, ce dont on s'est rendu compte quand on est venu à Fourmies, justement pour mener ces ateliers de co-construction autour des solutions de mobilité, on s'est rendu compte que l'innovation, le véhicule autonome, tel qu'on peut le voir aujourd'hui devant le théâtre, pouvait apporter une solution. Mais il y avait aussi tout un champ des possibles, j'ai envie de dire, en matière de mobilité sur ce territoire. Alors, effectivement, en matière de mobilité autonome, on se pose évidemment chez Transdev la question du mode. Alors, vous pouvez voir la navette telle qu'elle est aujourd'hui en démonstration devant le théâtre, ou bien par exemple à Rouen avec des Renault Zoé autonomes dont le projet commencera prochainement. Mais on se pose aussi la question du mode et puis de l'accès à ces modes de transport, parce que finalement la mobilité est avant tout une affaire humaine, j'ai envie de vous dire. Et aussi dans le cadre du pilier mobilité de la troisième révolution, il est important de prendre en considération ces nouvelles solutions et de prendre en considération le fait qu'elles soient co-construites avec les habitants d'un territoire, parce que la mobilité, c'est aussi la prise en compte des besoins du territoire, des attentes de la population, et les jeunes sont là pour en témoigner, et puis aussi comment imaginer la mobilité demain à Fourmies et dans les zones moins denses. Si je vous comprends bien, il ne s'agit pas de mettre un véhicule autonome derrière chaque fourmisien ou disons derrière, je ne sais pas combien il tient de place, votre véhicule, 8, 10, un petit peu plus. Bon, en tout cas, on ne peut pas imaginer ça qu'il y ait un véhicule autonome tous les 20 fourmisiens. Il y a d'autres solutions à trouver. Et c'est quoi? On se prête un vélo? Comment on se construit du coup, comment on remplace la voiture individuelle par une chaîne de solutions? Alors c'est exactement ça, Pierre, une chaîne de solutions comme vous l'avez dit, parce qu'aujourd'hui la mobilité c'est pas un seul mode de transport, on a plein de besoins différents, donc évidemment plein de solutions à imaginer, qu'elles soient collaboratives ou frugales. C'est ce qu'on a pu voir dans les ateliers de co-construction à Fourmies, qui nous ont permis d'avoir une approche justement pour répondre à des besoins immédiats de mobilité, mais aussi dans le cadre de la troisième révolution industrielle, des solutions de mobilité innovantes, qui prennent en compte les questions énergétiques, qui prennent en compte aussi l'aspect numérique et l'innovation sociale, bien entendu.
Ça veut dire, c'est quoi par exemple? C'est du covoiturage dans vos ateliers? C'est ça qui est sorti? On n'a pas chacun une voiture, mais on peut covoiturer, on peut louer un vélo. Qu'est-ce qui est sorti comme idée? Alors, en fait, ce qui est sorti comme idée dans les ateliers, c'est un bouquet de solutions mobilité qui passe aussi bien par les modes classiques que l'on connaît actuellement sur le territoire, mais aussi des modes plus collaboratifs, justement autour du partage du véhicule, autour des vélos électriques, par exemple. Et justement, l'idée, c'est de pouvoir apporter aussi des solutions pour les derniers kilomètres qui permettent de relier les gares, qui permettent de relier les différents modes en présence actuellement sur le territoire des Hauts-de-France. Alors, si je vous comprends bien, quand on arrive à la gare de Fourmies, ce n'est pas forcément une voiture ou une navette dont j'ai besoin. Ça peut être, grâce à mon smartphone et une application, de réserver une voiture de covoiturage avec mon voisin ou d'autres gens et de trouver la solution, comme ça, la petite brique qui me manque, sans forcément qu'il y ait, effectivement, comme je disais tout à l'heure, un véhicule autonome derrière chaque habitant. Exactement, parce qu'on a pris ça en compte aussi dans la recherche des solutions. Dans le cadre de la troisième révolution industrielle, l'approche numérique et l'innovation sociale est très importante. Donc effectivement, on peut avoir ces solutions autour d'une plateforme numérique, mais ça passe aussi par comment lever les freins à la mobilité inclusive et comment permettre aux gens d'accéder plus facilement aux solutions de mobilité. C'est les idées qu'on se fait, c'est ça, c'est une sorte de représentation. Bouger. Tout à fait. Mon voisin peut m'aider à être plus mobile. Exactement. Alors qu'aujourd'hui, on n'a pas ça. On a une voiture, on est mobile, on n'en a pas, on ne l'est pas. Il y a d'autres, des choses à imaginer, quoi. Tout à fait. Et vous, ben, la suite du travail, c'est quoi? C'est effectivement de travailler ça, d'amener chacun à ouvrir le champ des possibles, les idées qu'on a dans la tête? Alors, la suite du travail, en fait, ces trois ateliers nous ont permis d'élaborer un bouquet fin, en tout cas pour Fourmies et plus largement pour le sud avignois, pour permettre aux habitants de Fourmies de se déplacer, d'aller travailler, parce qu'effectivement, cette problématique-là, elle est importante à prendre en compte dans le cadre de la mobilité, d'aller étudier aussi. Et de revenir. Et de revenir, bien entendu. Et donc, effectivement, dans ce cadre-là, ce qu'on prévoit, c'est de lancer une expérimentation à Fourmies dès début 2018. Alors, cette solution, on ne l'amène pas seule, Transdev, on l'amène avec les acteurs du territoire, dont un certain nombre est présent dans la salle aujourd'hui, et je les salue d'ailleurs. Et donc, cette expérimentation, effectivement, on l'a construite en co-construction, mais elle sera aussi co-élaborée dans sa phase opérationnelle début 2018. Merci Cathy David. Merci pour vos trois témoignages tous les trois. Je vous laisse vous réinstaller. Je vous propose de découvrir d'autres exemples de mobilité à Fourmies avec un petit film. Je suis Olivier Lemans, je suis référenceur et rédacteur de contenu sur Internet. Je travaille pour une entreprise qui est sur la métropole lilloise. Alors je travaille au labo depuis quelques mois, à peu près depuis le moment de son ouverture. Ça me permet de voir du monde, j'y travaille un à deux jours par semaine. Et ça me permet de changer un peu de mon quotidien de travail à la maison. Je suis Louis, en terminale STI 2D au lycée Camille Claudel. Dans le cadre de la troisième révolution industrielle, j'ai participé avec ma classe à l'élaboration de la voiture de demain. On a réalisé des croquis, fait de la conception sur les logiciels 3D et essayé d'optimiser la voiture, quel moteur, quel phare et aussi combien de roues. On a ensuite imprimé un petit prototype de la voiture en 3D. C'est vraiment cool de participer à un projet concret qui servira en plus pour la ville. Je suis Claire Decaux, facilitatrice coach en développement personnel. La visioconférence permet plusieurs choses. Elle permet une économie de temps, d'argent et une dépense énergétique. Par exemple, lorsque je coach une personne de Lille, ça me fait gagner à peu près 4 heures de trajet, ce qui dans une journée représente énormément de temps. Je suis Camille Gelet, directeur de l'hôtel Château de la Marlière. Dans le cadre de notre travail, nous sommes amenés à nous déplacer quotidiennement. Le choix du véhicule électrique s'est fait pour plusieurs raisons. Plus économique, plus pratique en ville et plus respectueux de l'environnement. Nous sommes aujourd'hui de plus en plus d'utilisateurs à Fourmies et il est essentiel de multiplier les points de recharge en ville. Cela incitera de nouveaux utilisateurs à se lancer dans l'achat du véhicule de demain, qui fait partie intégrante de la troisième révolution industrielle. Oh.
On va entamer maintenant le quatrième et dernier pilier qu'on voulait vous présenter dans ce qui se passe à Fourmies depuis deux ans, autour du numérique, alors que la voiture de demain se fait la malle, enfin elle rentre dans son garage. Comment le numérique peut-il nous rendre plus économes, plus sobres, mais aussi plus inventifs et ou plus performants? Trois invités pour en discuter, Baptiste Serrier, Bernard Cuisset et Cheikhib Gharbi, à qui je demande de bien venir me rejoindre. Alors, Baptiste Serrier, vous êtes étudiant aux Beaux-Arts de Valenciennes. Vous êtes grand utilisateur du labo. Hein. Peut-être que tout le monde connaît dans la salle, je le redis quand même, le labo, il se trouve juste derrière le théâtre. C'est un Fab Lab, un endroit où on trouve tout ce qu'il faut pour concevoir et fabriquer des objets, des ordinateurs, des imprimantes 3D, mais aussi des machines-outils plus traditionnelles comme des outils pour travailler le bois. Et vous y êtes très régulièrement, dès qu'il y a des vacances ou même les week-ends. 70% de vos projets, de ce que vous concevez, des objets que vous concevez, et ils devraient arriver, je pense, ils sont là. Est-ce qu'on peut nous approcher les maquettes? Merci, messieurs. 70% de ces projets sont faits à partir de matériaux récupérés et recyclés. Et ce qu'il y a de particulier dans votre démarche, c'est que vous mettez les plans que vous avez imaginés en libre partage, en open source, comme on dit, c'est-à-dire que n'importe qui sur Internet peut aller reprendre votre invention. Pourquoi est-ce que vous faites ces choix de recyclage et de partage? Donc, avant tout, c'est une philosophie de vie. Comme on disait tout à l'heure, avec les nouveaux procédés qui arrivent, on a plein d'outils. Et le but, c'est de les utiliser à bon escient. Et du coup, je trouve que le fait d'avoir tous ces outils à portée de main, c'est l'occasion de montrer aux gens que on peut faire autrement, en fait. On peut consommer et vivre autrement. Et là, c'est dans mon cas, comme je suis designer, bientôt designer, c'est pour montrer aux gens que, oui, vous achetez des objets, vous les rejetez et vous les rachetez, vous rachetez quelque chose d'autre pour le remplacer. Donc, ma démarche, c'est de récupérer ce que jettent les gens, pour leur dire, attendez, posez-vous la question, qu'est-ce que je peux faire avec les matériaux qui constituent cet objet, en fait? Mettre en valeur les ressources. Donc, on peut se dire un mot de comment vous avez trouvé le matériel pour les matériaux qui sont là et comment vous l'avez agencé pour faire ce tabouret? Ouais, tout à fait. Donc, pour le tabouret, comme je disais tout à l'heure, c'est je récupère dans la rue. Les matériaux, donc ici c'est du bois de meubles, donc pour ne pas citer de nom, on va dire un grand magasin que tout le monde connaît. Et donc je me dis, qu'est-ce qu'on a besoin maintenant pour à la place de cette armoire, qu'est-ce qu'on a besoin comme meuble? Donc il se trouve que vous avez trouvé un pan d'armoire dans la rue. Ouais, c'est ça. Vous le ramassez et il se trouve que au labo il y avait des chaises qui étaient défectueuses. Et donc, je me suis dit, pourquoi ne pas illustrer le labo en faisant des tabourets pour montrer de quoi est capable la machine. Et c'est de là que m'est venue l'idée de faire ce tabouret. Donc, vous l'avez conçu sur ordinateur et vous avez pris la planche, vous l'avez mis dans la découpe bois pour fabriquer ces différents éléments. C'est tout à fait. Et donc, pour aller plus loin, ce procédé va permettre à n'importe qui trouve des ressources à X endroits, de pouvoir réaliser ce prototype, ce tabouret, avec différents matériaux, donc différents bois. Donc ça peut être du sapin, comme ça peut être du bouleau. Et ça, c'est grâce aux nouveaux procédés de fabrication. Donc n'importe qui, à condition d'avoir un labo pas loin de chez lui. C'est ça, tout à fait. Voilà. Pourrait construire ce tabouret en trouvant n'importe quel matériau sur son chemin. Et ils pourront le faire parce que vous l'avez mis en partage. Ouais. Les plans, ils sont en open source. Comme c'est on dit. Ça. Oui, c'est tout à fait. Vous pouvez l'utiliser. On dirait que ça marche. Donc, en quoi votre façon de travailler, votre façon de créer, en quoi vous avez l'impression, en faisant ça, de participer à une troisième révolution industrielle? Donc, cette question, on me l'a déjà posée une fois. Je suis le deuxième. Non, mais ultérieurement. Ah. Et donc, j'ai pris le temps d'y réfléchir parce que on met des mots sur des choses et je me suis dit je vais aller vraiment vérifier ce que c'est. Donc on a des vidéos qui expliquent tout ça
Et je me suis rendu compte que c'était, j'ai limite versé une petite larme parce que, en vrai, c'est ce que je fais tous les jours. Donc, j'ai pas besoin de mettre un mot dessus pour dire que c'est la troisième révolution industrielle. C'est ce que je fais. Donc, pour les copains, ils disent ça, c'est un bon plan. Et pour les profs, je dis c'est une philosophie de vie. Donc, ça dépend qui est-ce qui me pose la question, en fait. Merci de partager les bons plans. Je vais essayer de la formuler un tout petit peu différemment, cette question. Est-ce que vous avez l'impression que tout le monde fait ça aujourd'hui ou que quand même, il faut apprendre à faire ça de façon aussi simple qu'aller acheter le pain à la boulangerie? Oui, justement. Le fait de construire des objets, j'essaie de faire en sorte que n'importe qui puisse les comprendre et le faire. Et justement, avec cette façon de partager les fichiers pour que les gens comprennent qu'eux aussi peuvent intervenir, ils peuvent créer, ils peuvent participer à l'élaboration d'un objet ou autre. Et donc, c'est cette notion de partage qui m'intéresse énormément, en fait. Et montrer aux habitants que eux aussi, c'est possible, tout le monde peut le faire. Ok, comme Michel tout à l'heure, Baptiste vous attendra, si vous voulez récupérer des bons plans, pour discuter autour d'un verre dans la salle de bal en dessous. Merci, vous allez passer le micro ou vous allez prendre un autre micro pour un autre utilisateur du labo, Bernard Cuisset. Vous êtes directeur, voilà, assez vous là, directeur de l'usine Medtronic à Fourmies. Medtronic, c'est un groupe de 88 000 salariés dans le monde qui fabrique des solutions et des matériels de santé. À Fourmies, par exemple, vous produisez des électrodes de stimulation cardiaque que les chirurgiens utilisent après une opération à cœur ouvert. L'un de vos ingénieurs travaille régulièrement au labo, peut-être qu'il croise Baptiste, je ne sais pas, peut-être qu'ils se connaissent sûrement, pour concevoir de l'outillage qui entre en jeu dans la fabrication de vos produits. La question que je voudrais vous poser, c'est pourquoi est-ce que vous faites le choix de venir au labo plutôt que, on imagine que vous avez quand même un peu de moyens chez Medtronic, acheter une imprimante 3D et faire les choses au sein de l'usine? Oui, bonjour. Déjà, Medtronic, c'est également 1300 employés en France. Alors oui, on a un ingénieur qui va au labo régulièrement. On a actuellement, on va dire, 10% de notre personnel qui utilise déjà le labo, ce qui est quand même déjà pas mal, quoi. Donc si toutes les entreprises pouvaient être comme ça, ça ferait beaucoup de monde et il faudrait agrandir le labo. Alors après, pourquoi ne pas acheter une imprimante? Ça, c'est quelque chose, j'y ai déjà réfléchi depuis très longtemps, depuis plusieurs années. J'ai essayé de pousser et puis le choix de l'imprimante, quelle imprimante choisir? Et quand j'en ai parlé pour budgéter ça, on m'a dit oui, peut-être qu'on a des moyens, mais bon, vous ici à Fourmies, pour votre fabrication, vous n'avez pas besoin de cela. Pour la R&D peut-être, mais là, non, peut-être c'est pas. C'est pour le siège parisien, voilà. Vous ici? Non, pas le siège parisien, c'est pour les US, mais les US, attention, hein, les Américains sont souvent, bon, je profite, Jeremy Rifkin n'est pas là tout de suite. Mais ça fait rien, vous pourrez lui dire après. Les Américains sont souvent en retard au niveau technologique. Nous, en Europe, on est souvent en avance. À Fourmies et Medtronic, on a déjà fait beaucoup, beaucoup de choses qui les ont étonnés, explosés dans leurs habitudes. Et pourquoi ne pas avoir acheté même une imprimante comme ça? Eh bien, tout simplement, quel modèle, encore une fois, utiliser? Puisque quelque chose est disponible ici localement, autant en profiter. Mais alors, d'avoir un ingénieur qui aille utiliser ce matériel, c'est aussi quelque chose d'extraordinaire, parce que on ne discute pas à sens unique, mais ça va dans les deux sens. Les personnes qui... Alors, j'avais donné des photos de réalisation, je ne sais pas si ça va passer là. Les personnes qui vont... montrer aussi comment on utilise les imprimantes, reçoivent des informations de la part de nos ingénieurs ou techniciens ou opérateurs qui vont utiliser le laboratoire. J'ai entendu là tout à l'heure, on va bientôt faire de l'impression 3D métal. Très bien, formidable. Donc nous, ça va nous permettre de faire encore d'autres choses. Pour l'instant, c'est du plastique, mais le plastique, on l'utilise pour faire du prototypage sur des outillages que l'on va utiliser après dans notre fabrication, mais également pour faire des réalisations directes qui vont être montées directement sur les équipements et des choses suffisamment précises.
Ben voilà. Là, par exemple, c'est un exemple de prototypage. On a une machine destinée à faire une sorte de petit bobinage sur un fil de polypropylène qui va permettre à nos électrodes de rester en place temporairement malgré les mouvements cardiaques, puisqu'elles sont implantées dans l'épaisseur du myocarde. Et donc, on a fait un prototype pour après alimenter la discussion avec les techniciens au niveau de la machine. Alors, donc là, la bonne nouvelle du jour de la 3D acier, enfin métal, c'est que vous allez pouvoir passer directement à l'objet, mais plus seulement au prototype. Exactement, mais il y a aussi, comme monsieur le maire, il a des idées, lui, sans arrêt. Bon, nous, on ne va pas forcément avoir une idée toutes les 3 secondes, mais toutes les 3 heures, on va aussi avoir des idées. Et vous voyez, tout en haut, la partie métallique, ce sont des buses de soufflage pour de l'air chaud, de l'air froid. Eh bien, ces buses, on va pouvoir les remodéliser complètement pour avoir quelque chose de beaucoup plus homogène par rapport à ce que l'on a aujourd'hui. On va faire évoluer nos équipements. Ce qui est intéressant, vous me disiez, d'aller au labo et pas d'avoir fait ça à l'intérieur de l'entreprise, c'est les échanges, les rencontres que vous faites avec les gens qui font vivre le labo. Oui, eh bien, il doit être vraiment interactif ce labo et j'invite vraiment la population, tous ceux qui peuvent y aller. Alors moi, j'ai des difficultés parce que j'arrive le matin, il n'est pas encore ouvert, je repars le soir, il est déjà fermé. Et le samedi, j'ai encore du travail à faire à la maison. Mais oui, il faudrait que je m'extraie un petit peu pour y aller. Mais je vous promets, je vais y aller et je vais faire des réalisations aussi. Quoi. Dans le fait d'y être, d'aller là-bas, de fréquenter ce lieu, il y a aussi pour vous, directeur d'une entreprise sur le territoire, le fait de, vous me disiez ça, d'être acteur, d'être un acteur du changement. Oui, ça fait partie de la politique de Metronic, d'avoir des actions citoyennes. Bien ça, c'est aussi une action citoyenne. Il y a un matériau, un équipement qui a été mis en place. On utilise ces équipements-là, on les fait vivre, on montre. Et l'interactivité, eh bien, c'est pas simplement avec les gens qui sont là pour montrer comment utiliser le matériel, mais également avec ceux qui vont être à côté, qui vont l'utiliser également. On a ici un exemple de réalisation. Alors, là, c'est une machine à dénuder rotative d'une très très grande précision. Et cet été, on a mis les postes de travail sur des, on va dire, des colonnes à commande électrique. Comme ça, on peut travailler debout quand les gens en ont marre un petit peu d'être assis. Il me reste 6 secondes. Oui. Mais bon, ça fait rien. Attendez, je vais mettre ça dessus. Ça cachera un petit peu. Et donc, il fallait une commande manuelle puisque avant, c'était commandé au pied. Quand on est debout, on va pas simplement. C'est un peu fatigant. Donc, cette commande manuelle, on a fait les boîtiers avec l'imprimante 3D. Alors, on sait que l'imprimante 3D, on ne peut pas faire plus de 3 réactions. On ne doit pas aller cannibaliser le travail d'artisan. Eh bien, on avait juste 3 pédales à faire et ça a été génial. Et les opérateurs les utilisent tous les jours. Merci. Merci, monsieur le maire, d'avoir mis ces équipements à disposition. Merci à toutes les personnes qui ont permis de réaliser ce labo. Merci, Bernard Cuisset. Chekib Gherbi, vous êtes directeur général du Centre d'innovation des technologies sans contact, installé à Eura Technologies à Lille. Votre travail, c'est d'accompagner des entreprises, des citoyens, des villes, des créateurs, des associations dans l'appropriation de ce qu'on appelle l'Internet des objets, les objets connectés, pour favoriser l'innovation et créer, c'est bien la question qui est au cœur de REF3 aussi, de nouvelles activités économiques. Vous avez donc installé votre Smart Living Lab pendant 2 mois au lycée Camille Claudel. Concrètement, c'est 3 containers bourrés d'innovations électroniques pour permettre à chacun de découvrir au travers d'une maison du futur, c'était une maison qui était reconstituée là, cet Internet des objets. J'ai 2 questions. Ce Smart Living Lab, il s'installe régulièrement ailleurs dans la région. Est-ce qu'ici, à Fourmies, vous avez senti un effet troisième révolution industrielle, un effet REF3? Et puis la deuxième question, c'est et bien du coup, qu'est-ce que ça a produit, ces 2 mois d'échange et de travail ici? Oui, je vais juste repréciser. Bonjour à tous. Donc, le Smart Living Lab, il y a toujours un travail préparatoire. C'est-à-dire que chaque fois qu'on se déplace dans un lieu ou dans une collectivité locale, il y a un travail fort qui est fait avec la collectivité pour s'adapter en fonction des stratégies de la ville. C'est-à-dire que les démonstrateurs, quand on était à Fourmies, on a beaucoup traité de la question de l'industrie du futur. On parlait du phénix à un moment, donc une terre industrielle qui a besoin de renaître de ses cendres. Et donc on a beaucoup travaillé sur la question de l'industrie du futur. On a travaillé bien sûr sur l'habitat, parce que ça c'est une thématique qui traite sur l'ensemble du territoire et qui est un enjeu, que ce soit sur le maintien à domicile, que ce soit sur l'énergie, enfin le bâtiment intelligent, entre eux.
Et donc pendant 2 mois avant l'installation de ce Smart Living Lab, on travaille avec les équipes et les collectivités, les entreprises du territoire. Donc on a une démarche proactive pour identifier aussi les pépites, aussi une démarche où on va au plus proche des entreprises de tout le territoire. Et le président de région a évoqué qu'il n'y a pas que Lille, il y a aussi des entreprises qui se trouvent à Boulogne-sur-Mer, on était à Arras, à Fourmies, et donc on a trouvé une forte énergie, en tout cas à Fourmies, au travers de l'élan que monsieur le maire, qui a les idées toutes les 3 secondes, et ça c'est vrai, on peut le vivre au quotidien, donc on a beaucoup de coups de fil aussi, mais il y a une vraie énergie positive, et il y a un projet, il y a une vision, et ça c'est un élément important que l'on a trouvé sur ce territoire, et derrière il y a une équipe qui est mise en œuvre. Et on a une troisième spécificité qu'on a découvert aussi sur Fourmies par rapport à d'autres territoires, c'est qu'on a une dimension transfrontalière. Et quand on a installé le Smart Living Lab, ça a été aussi un travail collaboratif. On parlait de gouvernance partagée, comme Marie l'évoquait. C'est-à-dire qu'il y a eu une dimension où les Belges se sont inscrits dans le projet collectif du Smart Living Lab, donc de ce démonstrateur, pour aussi apporter leur vision, leur innovation et également d'accompagner ce projet territorial. Du coup, ça a produit quoi? Est-ce qu'on peut déjà quantifier ce qu'on produit, ces rencontres, ces découvertes? Ces rencontres, donc on reste 2 mois sur chaque territoire. On a fait Méterraine, Renduflier, Arras récemment, j'en oublie, Boulogne-sur-Mer. On a eu plus de 1300 visites déjà, plus de 200 entreprises, oui, 1300 visites sur Fourmies, hein, juste sur Fourmies, plus de 200 entreprises qui ont été accompagnées pendant toute la démonstration, c'est-à-dire qu'on passe énormément de temps. Il y a eu 10 actions aussi avec des groupes d'entreprises qui ont été, des groupements d'entreprises qui ont été réalisés pour justement les projeter en quoi le numérique, en quoi ces questions de l'Internet des objets vont modifier leur process. On l'évoquait, hein, sur la question de l'industrie du futur. C'est vraiment sur ces aspects-là qui sont comment, demain, je transforme mon activité pour garantir le développement de mon entreprise et l'emploi de demain. Et ça, c'est un des enjeux qui a été fortement développé sur ce territoire avec les entreprises. Et puis derrière, on a abouti sur des accompagnements. Je vais prendre un exemple qui est la fonderie de Souglan, par exemple. Voilà, la fonderie de Souglan, qui n'est pas du tout d'ailleurs sur le territoire qui est juste à côté, hein, qui est plutôt en Picardie. Donc on voit bien qu'il y a eu un rayonnement au-delà de Fourmies, de la communauté d'agglo. Et aujourd'hui, on a un travail d'accompagnement de la fonderie de Souglan à se moderniser, à passer à l'ère du numérique, qui est une grosse fonderie qui produit pour plus de 70% de ses matières partent aux États-Unis pour l'armée américaine. Et donc là, aujourd'hui, c'est comment on numérise le process. Donc on voit concrètement, on a eu aussi une entreprise qui nous a appelé suite à l'installation en nous demandant, qui cherchait à recruter, parce qu'on est sur un territoire quand même malgré tout un peu enclavé, et il y a une question de compétences qui est un élément important, et je pense que ça c'est aussi un axe sur lequel le territoire doit fortement faire un effort, c'est sur la question des compétences, c'est comment développer des compétences liées à ce territoire pour que les entreprises qui sont en recherche dans le cadre du numérique ou dans le cadre de la robotique puissent trouver des acteurs du territoire. C'est très compliqué, nous, juste pour trouver un stagiaire à envoyer à Fourmies, c'est très compliqué d'amener les Lillois, voire les Valenciennois, je suis Valenciennois, à venir jusqu'à Fourmies, donc il faut aussi que les compétences émergent de manière très locale. Merci, Chekib Gherbi, de votre témoignage. Merci à tous les trois de ce témoignage sur le numérique. On va compléter dans un instant avec un petit film. Mais d'abord, je vais vous inviter à regagner votre place dans la salle. Et je vais inviter les participants à la deuxième partie à me rejoindre sur scène. Mais d'abord, chose promise pendant ce petit ballet, chose due, on regarde le film qui nous présente d'autres initiatives autour du numérique à Fourmies. Je suis Sandrine Colano, directrice du magasin Fringues et moi, Fourmies, et également vice-présidente de l'association commerciale de Fourmies. J'ai créé ma page Facebook. Rapidement, je me suis rendu compte que c'était un très bon moyen de communication. Grâce à l'atelier Facebook, j'ai pu découvrir des astuces, des outils. Les conférencières ont pu répondre directement à toutes mes questions sur la manière de développer au mieux ma page. Je suis Franck Roquier, éducateur sportif. Ma passion, c'est les jeux de société. À travers le Fab Lab, j'ai pu concevoir des boîtes plus adaptées au niveau du rangement
Et toute cette fabrication, j'ai pu la faire au niveau des imprimantes 3D. Entraîneur de judo, j'ai suivi la formation sur la brodeuse numérique pour refaire les écussons du club sur les kimonos des pratiquants. Je suis Isabelle Ouestiot, directrice de l'école Jean Massé à Fourmies. L'école Jean Massé et l'école des Glycines a pu bénéficier d'une visite virtuelle du musée du Louvre-Lens avec le petit robot Ubi. Et ce qui était fort intéressant, c'est que c'était un enfant en particulier qui menait ce petit robot. Je suis Mélissa, lycéenne à l'institution Saint-Pierre en bac pro commerce. Au Smart Living Lab, j'ai visité la maison du futur. C'est une maison qu'on peut plier et transporter dans un camion. Elle a une boîte aux lettres connectée qui permet d'informer la personne quand elle a reçu son courrier. Dans cette maison, on peut tout faire avec son smartphone. Ouvrir la porte d'entrée, régler la température, fermer et ouvrir les volets même quand on est en vacances. Plus tard, je rêve d'avoir une maison comme ça. Je suis Fabienne Guénaud, déléguée au mécénat et à la solidarité de la Fondation Orange Nord de France. La ville de Fourmies a candidaté pour un projet unique en France porté par la Fondation Orange, celui du tiers-lieu solidaire. C'est grâce à la qualité de leur projet et à leur dynamique troisième révolution industrielle que la ville de Fourmies a été choisie. Ce tiers-lieu solidaire permettra à toutes et à tous de s'impliquer dans la solidarité numérique. On entame maintenant la deuxième partie de l'après-midi. Je vais demander aux quatre grands témoins de bien vouloir emprunter l'escalier et de me rejoindre sur scène. Philippe Rapneau, David Brussel, Fabrice Boissier et Jérémy Rifkin. Je vous en prie, rejoignez-nous. Deuxième partie pendant laquelle ces quatre grands témoins vont réagir à ce que vous venez de leur présenter. Philippe Rapneau, vice-président de la région Hauts-de-France, en charge du développement durable de la troisième révolution industrielle et de la transition énergétique. Prenez place dans les fauteuils. David Brussel, directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France. Fabrice Boissier, directeur général délégué de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise énergétique. Et Jérémy Rifkin. Vous avez l'air, Jérémy, connu comme le loup blanc à Fourmies. Donc je ne sais pas si je me risque à dire quelques mots sur vous. Je vais le faire quand même si par hasard quelqu'un aurait raté le début de l'histoire. Vous avez fondé en 1977 la Foundation on Economic Trends, la fondation pour les tendances sur les tendances économiques qui s'intéresse aux phénomènes émergents, aux tendances lourdes et à leurs impacts sur l'environnement, l'économie, la culture et la société. On est en plein là-dedans. Parmi de nombreux ouvrages, vous avez publié en 2011 la troisième révolution industrielle qui est traduite et qui sort en France en 2012, l'année suivante. Et la même année, le Conseil régional Nord-Pas-de-Calais, à l'époque, et la Chambre de commerce et d'industrie vous commande un master plan, un plan directeur pour conduire la région sur le chemin de la troisième révolution industrielle. Master plan que vous présentez, Marie le rappelait tout à l'heure, à Lille en octobre 2013 lors du World Forum Lille. Deux ans plus tard, la ville de Fourmies se saisit du concept et s'engage résolument dans la troisième révolution industrielle. Nous avons maintenant 45 minutes avec vous pour vous écouter. Quel regard portez-vous sur ce qui se passe ici? Comment le mettez-vous en perspective? Bonjour. Today, aujourd'hui, day, tomorrow, demain, the next day, et le jour d'après, tout d'abord la France, après l'Europe, et ça arrive ici. Si une petite ville comme Fourmies en France peut rassembler 5% de la population dans une salle et passer deux années ensemble à travailler sans beaucoup d'aide, en fait, et arriver à faire ce chemin vers la troisième révolution industrielle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'excuse. Toute ville, tout petit village peut faire la même chose. Je vous applaudis. Bravo, c'est fantastique.
Je veux vous parler tout d'abord du contexte général, parce qu'il est important de comprendre le cadre et là où on va. Et puis, je vais parler ensuite de la direction à suivre à partir de là. Il est important de comprendre le contexte. Le PIB ralentit dans chaque ville, dans chaque partie du monde aujourd'hui. Partout, le PIB diminue. Et la raison pour laquelle il diminue, c'est que la productivité réduit également dans le monde, partout, dans les villes, dans les villages. De ce fait, le chômage est très élevé, en particulier pour ceux qui sont nés dans les années 2000, qui essayent de trouver une place sur le marché du travail au XXIe siècle. Nos économistes projettent encore 20 années de basse productivité et de basse croissance. Et si on regarde un petit peu les chiffres, on a eu deux révolutions industrielles et vous êtes un leader dans la troisième aujourd'hui avec vous avez été par le passé un leader dans le textile et je pense qu'aujourd'hui, la moitié de la population humaine s'en sort beaucoup mieux que leurs ancêtres avant les révolutions industrielles. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça. Mais ça signifie aussi que 40% de la population humaine aujourd'hui qui gagne $2 par jour ou moins s'en sortent à peine mieux de ce que c'était avant. Et il y a des gens qui sont en fait dans une situation pire qu'avant. Et bon, il y a la moitié de la population qui s'en sort mieux, mais la moitié qui s'en sort moins bien. Les plus riches parmi nous s'en sortent très bien dans cette ère industrielle. Mais les 8 personnes les plus riches dans le monde pourraient être ici au premier rang et leur richesse combinée cet après-midi est égale à la richesse accumulée de la moitié de la race humaine sur Terre. 3,5 milliards de personnes. Il y a un problème dans la façon dont on organise notre système économique ici. Donc maintenant, on est dans une crise économique sur le long terme. Donc maintenant, on a une crise beaucoup plus importante, en fait, une crise environnementale. On a des problèmes de CO2, d'émissions de gaz à effet de serre. Et maintenant, on a le réchauffement climatique en temps réel. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas pour le futur, c'est aujourd'hui dans chaque ville, dans chaque village, sur chaque continent de cette planète. Et ce qui est terrible avec le réchauffement climatique, et ce que je vais vous expliquer, on ne l'explique jamais en fait. Mais si on expliquait à chaque ville, alors chaque famille serait motivée et aurait cette mission de sauver l'espèce et de sauver la planète dans les 5 décennies à venir. Ce qui se passe, c'est que le réchauffement climatique fait quoi en fait? Le réchauffement climatique change le cycle de l'eau sur Terre. On n'explique jamais ça. On a une planète faite d'eau. Nos écosystèmes se sont développés depuis des millions d'années sur les cycles de l'eau et les cycles des nuages qui recouvrent les continents. Donc, pour chaque degré d'augmentation de la température sur cette planète, à cause des émissions de CO2, pour chaque degré d'augmentation de la température, l'atmosphère récupère 7% de précipitations et donc ces précipitations repartent dans les nuages plus rapidement. Ce qui se passe, c'est qu'on a des précipitations plus concentrées, des phénomènes naturels plus extrêmes et moins prédictibles sur nos écosystèmes. On a beaucoup plus de neige à Boston, par exemple. C'est incroyable. Ce sont des nouvelles normes, 9 pieds de neige. Et sur chaque continent, on voit des infrastructures qui sont détruites, des vies qui sont détruites à cause des phénomènes naturels. On a des sécheresses qui détruisent des écosystèmes.
chaque année. Et au Canada, où on a par exemple des feux, des incendies tous les étés en Californie ou ailleurs, en temps réel. C'est ça la nouvelle norme. On a des ouragans de catégorie 3, 4, 5. On a eu 4 ouragans de catégorie 3 et 4 dans les îles Vierges, les Caraïbes, la Louisiane, le Texas, la Floride. Les gens sont morts, les infrastructures sont détruites et c'est irrécupérable. C'est ça la nouvelle norme. Nos écosystèmes n'arrivent pas à suivre. Il y a une courbe exponentielle du cycle de l'eau et elle s'effondre en temps réel. Si vous êtes né dans les années 2000, si vous êtes parent ou grand-parent, écoutez ce que je vais dire. Ici, on va faire face à une nouvelle extinction d'espèces. Et ça, on ne se rend pas compte. En fait, dans les 7 décennies à venir, il y a beaucoup de gens ici qui seront encore vivants, on pourrait perdre la moitié des espèces vivantes sur la planète actuellement. Et la dernière fois que ça s'est passé, c'était il y a 65 millions d'années. Et ça a pris des milliers d'années après ça pour récupérer. Comme dit ma femme, on dort sur nos lauriers. Fourmi va nous réveiller. On a besoin d'une nouvelle histoire, d'une nouvelle vision économique. Et il faut que ce soit fort. Il faut un plan pour déployer cette vision. Et il faut que ce soit rapide. Il faut que ce soit dans chaque ville, chaque village, dans le monde entier. Il faut aller vite et il faut arriver à se débarrasser du carbone en moins de 4 décennies. Si on veut éviter le pire, on ne va pas changer le réchauffement climatique. Ça va rester là pour des milliers d'années. Des générations devront faire face à ça, devront être résilients et se régénérer. Mais nous pouvons, avec un peu de chance, sauver notre espèce et commencer à bosser. Il faut donc qu'on se pose cette question. Comment se sont passés les grands changements économiques dans le monde? Si on sait ça, vous avez déjà commencé en fait, mais on va avoir une direction, comme vous le faites à Fourmi, à suivre pour essayer de tenter un nouveau voyage pour la race humaine. Il y a eu au moins 7 changements dans l'histoire. Et en fait, c'est très intéressant d'un point de vue anthropologique. Ils ont un dénominateur commun. Il y a un moment où il y a 3 technologies qui ont émergé dans la civilisation et qui ont convergé pour créer ce qu'on appelle plateforme de technologie, une infrastructure, si vous voulez, qui change fondamentalement les choses, la façon dont la société est gérée et dans la façon dont il utilise l'énergie. Quelles sont ces 3 technologies? Tout d'abord, des nouvelles technologies de communication pour mieux pour gérer l'économie et la société de manière plus efficace, bien sûr, c'est évident. Numéro 2, des nouvelles sources d'énergie pour que l'économie soit plus efficace. Ça fait sens aussi. Et numéro 3, des nouveaux modes de mobilité pour que l'économie bouge de manière plus efficace. Donc, quand vous combinez les 3, en fait, ça change complètement la façon dont la société est organisée. Et ça change notre tempo, notre orientation spatio-temporelle, ça change notre modèle économique, et ça change notre gouvernance, et ça change tout. Je suis sûre que vous savez déjà ça, parce que vous avez commencé ici dans cette ville. Ça, c'est la grande vision et que vous allez développer. Je vous donne 2 exemples rapides. La première révolution industrielle, 19e siècle en Angleterre, 20e siècle aux États-Unis, 2e pour l'Angleterre, c'était une nouvelle structure en matière de communication. Les Anglais inventaient l'imprimerie à base de vapeur. L'imprimerie manuelle était trop lente. Imprimerie à la vapeur, c'était rapide, efficace. On pouvait mieux communiquer entre nous, les journaux, magazines, etc., périodiques. Les Anglais ont créé un système télégraphique pour la première fois.
dans les îles britanniques, c'était le 19e siècle, le télégraphe, et bien aussi l'imprimerie à base de vapeur ont convergé avec de nouvelles sources d'énergie. Le charbon peu coûteux est dans cette région. Vous êtes devenus les leaders en Europe des mines de charbon. Et on a collecté le charbon avec le locomotive à vapeur sur des rails, les locomotives, les transports sur le plan national, mobilité. Cela a pu faire développer la Grande-Bretagne. Deuxième révolution industrielle, les États-Unis, communication, mobilité, le téléphone. Tous les jeunes pensent que vraiment l'Internet, c'est vraiment formidable. Mais imaginez, avant le téléphone et après, c'est, ça voulait dire la communication à la vitesse de lumière partout dans le monde. Plus tard, la télé et la radio, ces types de communication aux États-Unis dans le 20e siècle ont convergé avec une nouvelle source d'énergie, c'est-à-dire le pétrole bon marché du Texas. Et Henry Ford vraiment a mis tout le monde sur la route avec des bus, des camions, des voitures, avec le moteur à combustion. Voilà, cette deuxième révolution a couvert tout le siècle, tout le 20e siècle, est arrivée à son sommet en juillet 2008. Juillet, vous rappelez, juillet 2008, le prix du brut était 147 000 $. C'était un maximum. Et toute l'économie mondiale s'est ralentie, l'économie s'est arrêtée. Et voilà, c'était un tremblement de terre économique. Ici, allait le début du coucher du soleil pour la deuxième révolution industrielle. L'effondrement du marché financier, c'était pas une réplique. Tout dans la civilisation est alimenté par des combustibles fossiles, pesticides, engrais, matières de construction, pharmaceutiques, des fruits de synthétiques, transport, chauffage, électricité. Si le prix du pétrole augmente, tout le reste augmente. À 50, ça fait arrêter l'économie. C'est une période sauvage maintenant. Les prix de pétrole fluctue. Et là où on a le pétrole, on a des États échoués, faillis. Nous sommes au milieu de la troisième révolution industrielle. Vous êtes clair, vos programmes, vos projets. Vous allez reconnaître l'importance de cette révolution et l'importance de ce que vous faites. Nous avons une nouvelle révolution en matière de mobilité, communication et d'énergie. Le numérique en communication est là. Combien d'entre nous possèdent sur vous un smartphone? Combien d'entre vous? Combien d'entre vous? Levez la main maintenant. Regardez combien d'entre vous. Levez les mains. Vous avez tous un smartphone. La moitié de la race humaine communique avec la technologie mobile. Et maintenant, les Chinois produisent un smartphone à $25 qui a plus de pouvoir informatique que ce qui a envoyé les astronautes à la Lune. N'importe qui peut avoir plus de pouvoir en matière informatique que le pouvoir qui a envoyé les astronautes à la Lune. Cette révolution, l'Internet, le numérique, cela converge maintenant avec un Internet d'énergie renouvelable, numérisée. Tout le monde dans le monde peut générer leur propre énergie éolienne, solaire et d'autres énergies renouvelables là où ils habitent et les utiliser hors réseau. Envoyer cette énergie, renvoyer cette énergie à un réseau totalement numérisé, solaire ou éolienne, à travers les continents. Ces deux Internet, communication, énergie renouvelable, ces deux Internet convergent avec un troisième Internet, c'est-à-dire un système synchronisé, satellite, bientôt autonome, un système de transport par rail, par route, par air, alimenté par l'énergie éolienne et solaire. Si cela est familier, eh bien, il s'agit de vos projets développés ici à Fourmi, communication, ces trois types d'internet, mobilité, communication, énergie. Cela permet de gérer l'énergie et sont au haut d'une plateforme qui s'appelle l'Internet des objets. Vous êtes connecté, vous avez
des capteurs dans vos écoles, sur les routes. Vous en allez en avoir dans les entrepôts, sur les routes, dans les écoles, des capteurs partout dans votre ville qui collectent des données en temps réel. D'ici 2030, tout le monde sera connecté, on crée un cerveau global, un système nerveux qui connecte toute la race humaine. Cela a un avantage. Maintenant, on passe vers un nouveau type de mondialisation. Si tout le monde est connecté, tout le monde ici a formé, vous pouvez communiquer directement avec le reste de la famille humaine à un coût faible. Et cela émerge dans le monde physique aujourd'hui. Cela nous amène à nous fait passer d'une globalisation centralisée à une glo-localisation. Il n'y a pas de raison pour que toute région comme la vôtre ne puisse communiquer avec d'autres régions et communautés en temps réel, temps virtuel, physique, dans un monde glo-localisé. Ça veut dire que le peuple a le pouvoir. C'est un pouvoir latéral qui permet à des petites villes, à des régions, qui permet à des territoires de communiquer dans une grande famille partout dans le monde. Et cela se crée maintenant. Cela va tout changer. Nous allons pouvoir démocratiser la vie économique pour que davantage de personnes peuvent être acteurs dans le système économique. Au lieu de 99% et 1%, nous avons toute la race humaine qui communique pour bâtir une économie du 21e siècle qui est juste, écologique et durable. Et il y a un inconvénient dans tout cela, il faut s'en inquiéter. C'est le côté sombre, c'est aussi impressionnant que le côté positif. Comment faire en sorte que nous ayons un accès ouvert quand tout le monde est connecté? Comment garantir que le gouvernement n'exploite pas ce système nerveux, ce cerveau, pour pirater ou manipuler les élections, comme aux États-Unis? Comment faire en sorte que les entreprises comme Facebook et Google et Alibaba ne contrôlent pas cet Internet des objets pour modifier nos données dans leur propre but? Comment protéger la vie privée si tout le monde est connecté? Comment nous protéger contre le cyberterrorisme, la cybercriminalité? Voilà le côté sombre. Cela est aussi impressionnant que le côté positif. Vous savez ce qu'il faut affronter? La résilience, plus la mobilité, communication, énergie est centralisée. Plus c'est centralisé, plus la société est vulnérable vis-à-vis des événements climatiques ou vis-à-vis du cyberterrorisme. Par exemple, Puerto Rico, s'il y avait une communication distribuée, le Puerto Rico aurait pu se remettre après l'ouragan. La meilleure façon d'y faire face, eh bien, il faut une large distribution, il faut être résilient. Il faut un partage global. Quand il y a un événement négatif, on peut se remettre. Les pouvoirs centralisés sont trop vulnérables. Qu'est-ce que cela signifie pour vous ici, dans votre ville? Vous êtes un PME ici. Vous allez sur la plateforme de l'Internet des objets, cela commence. Vous pouvez avoir une image transparente de toutes les données. Si c'est ouvert, toutes les données sont là pour votre petite entreprise. Vous pouvez trouver votre big data, vos données, les données qui vous intéressent. Vous pouvez trouver ce qu'il vous faut en termes de données. Vous créez votre grille d'analyse, vous créez vos applications pour être plus efficace, plus efficient et être plus productif de manière dramatique, réduire votre empreinte écologique, réduire vos coûts marginaux. Donc, ici, même, c'est grâce à la technologie mobile et grâce à la connexion de l'Internet des objets, voilà ce que vous initiez. Cela permet aux régions de contrôler leur propre destin et communiquer avec d'autres régions
dans tous les continents, partout dans le monde, essentiellement. C'est la structure, c'est le cadre, il y a une dernière partie. Et la convergence de toutes ces trois internets, de mobilité, énergie, communication, dans l'internet des objets, cela nécessite la transformation des bâtiments chez vous, l'internet des objets. Ce n'est pas des nuages, il s'agit des bâtiments. Chaque bâtiment dans cette vie est potentiellement un node qui se connecte à l'Internet des objets. Cela signifie que chaque bâtiment dans cette vie, dans le monde, doit être réhabilité. Vous avez des bâtiments anciens, comme toutes les villes, qui ne sont pas très efficaces, qui doivent être réhabilités et transformés grâce à l'énergie solaire ou de l'énergie éolienne à la campagne. Les agriculteurs en Amérique prospèrent grâce à l'éolienne et gagnent assez d'argent pour être prospéreux, pour être riches au Texas. Il faut réhabiliter vos bâtiments et ensuite y installer des panneaux solaires, y introduire la technologie de l'Internet des objets et puis créer des stations de chargement pour les véhicules électriques. Les bâtiments se connectent en termes de nodes dans les villes, dans les territoires et partout en France. Et finalement, je vais dire un mot sur les entreprises, les emplois et la conscience. La création de cette infrastructure dans une ville comme Fournay ou des régions comme Hauts-de-France, cela nécessite une unité des entreprises. Il s'agit d'une initiative sur 40 ans. Lors de la deuxième révolution industrielle, de petits projets n'étaient pas suffisants. Il a fallu une architecture générale. Quand Henry Ford a trouvé l'idée de l'automobile, la production de l'automobile, c'était impossible sans l'électricité. Il a fallu des outils mobiles électriques. Cela nécessitait une infrastructure électrique dans tout le pays pour fabriquer des produits à bon marché. La voiture électricité n'était pas suffisante. Il a fallu des systèmes d'alimentation de pétrole. Les tuyaux n'étaient pas suffisants. Il a fallu des routes et puis des banlieues étaient nécessaires. Il a fallu une infrastructure commune. C'est une maison, une seule maison, mais les composantes varient selon les régions. Et vous avez chaque région, vos composantes, mais vous construisez une maison. Cela signifie de nombreux emplois. Nous allons vers un monde automatisé. Ça ne fait aucun doute. J'ai écrit un livre qui s'appelle La fin du travail. Vous vous rappelez, en France, Michel Rocard y a écrit la préface. Nous allons vers un monde automatisé vers 2050. Le marché sera très automatisé. Cependant, mais dans les 40 années à venir, il nous faut créer une infrastructure intelligente. Pour vous, les jeunes nés après 2000, il y aura deux générations d'emplois massifs pour construire ces régions intelligentes, cette Europe intelligente, ce monde intelligent. Il faut installer des câbles souterrains, des broadband. Ce ne sera pas des robots qui feront cela. Il faudra des êtres humains. Et il faudra installer sur les toits des panels solaires. Les robots sont incapables d'installer des panels solaires. Il faut des êtres humains. Et il faut réhabiliter chaque bâtiment de cette ville. Les robots ne pourront pas isoler les greniers. Non. L'intelligence artificielle non plus. Il faut créer des stations de chargement pour vos véhicules électriques. Il faut des êtres humains pour faire tout ce travail. Eh bien, nous avons 30, 40 ans devant nous pour chaque ville dans la ville. Il y a dès le début du travail pour tout le monde, qualifié, peu qualifié. Pour les compétences, chaque jeune dans cette salle, vous possédez déjà des compétences numériques. Chaque personne en dessous de 38 ans
à grandir dans cette technologie. Vous êtes prêts pour cette révolution. Une fois que ce système est installé d'ici 2050, il va y avoir beaucoup de nouveaux emplois dans la ville. Une fois installé 2050, que vont devenir tous ces emplois? Le travail ne va pas disparaître. Les gens voudront contribuer à la société. Il ne va pas y avoir des revenus garantis. Les gens veulent contribuer à la société. Nous savons déjà où vont se trouver les nouveaux emplois. On voit les tendances. À mesure que l'infrastructure est installée, il y aura de nouveaux emplois, mais d'ici 2040, les nouveaux emplois seront surtout dans l'économie sociale, l'économie de partage qui émerge dans le secteur non lucratif. Eh bien, il faut des êtres humains. Les machines, bon, ce sont des suppléments. Un robot ne pourra jamais s'occuper d'un enfant dans une crèche. C'est impossible. Le robot peut apporter le lait à l'enfant pour le déjeuner. Mais un adulte, un être humain, sera nécessaire pour éduquer l'enfant, pour devenir un être humain. Qu'il s'agisse de l'éducation, la santé, qu'il s'agisse de la culture, l'environnement, il y a énormément à faire après l'automatisation du marché. Il y a énormément à faire. Nous savons maintenant que le secteur à but non lucratif, l'économie sociale et de partage, c'est l'employeur qui grandit le plus vite que les autres. En Californie, 7e économie du monde, 15% des emplois en Californie, c'est le secteur à but non lucratif social. Pour les jeunes, il faut être prêt à affronter la troisième révolution industrielle, il faut préparer vos enfants, il faut transformer l'infrastructure. Parallèlement, il faut préparer les enfants et les petits-enfants à l'économie sociale qui deviendra plus importante à mesure qu'on approche le milieu de ce siècle. Dans l'ensemble, ça sera un monde meilleur. Je termine sur ceci. Il ne s'agit pas simplement de la technologie ou simplement un labo, les start-up, la technologie numérique, la mobilité pour les véhicules. Cela est essentiel, mais pas suffisant. Ce n'est pas l'utopie, la technologie. C'est simplement quelque chose qui facilite les choses, ce qui doit vraiment changer. Et voilà pourquoi cette ville est importante. Vous changez la conscience des gens, vous changez votre manière de penser de la famille humaine. Vous coopérez ensemble dans cette ville en tant qu'une famille élargie humaine. Je suis modérément optimiste. J'ai vu un changement dans le monde entier depuis une décennie à mesure que cette révolution avance. Vous réfléchissez d'une autre manière concernant le pouvoir, la communauté et la liberté. Les plus vieux pensaient que la liberté, c'était être autonome, autosuffisant, ne rien devoir à personne et s'en sortir. Mais pour les jeunes qui font du gaming sur l'Internet, qui communiquent avec le Skype ou le Facebook, cette idée de liberté, c'est bizarre. Pour vous, la liberté, c'est la possibilité de se connecter, de ne pas être isolé. Pour vous, la liberté, c'est inclusif et non pas exclusif. C'est être connecté avec différents réseaux. C'est une autre conception de liberté. C'est accès. Deuxièmement, une autre conception du pouvoir. Nous, les anciens, on pensait que c'était la pyramide, le pouvoir. Il y a ceux qui sont en haut, il y a ceux qui sont en bas. Mais dans la génération Internet, vous partagez vos talents avec ces réseaux gratuitement, et qu'il s'agisse de blogs sociaux, production de musique, partager les cours universitaires. Vous partagez pour vous. Le pouvoir est latéral et non pas vertical. Vous partagez avec le réseau. Vous en tirez profit. Finalement, on transforme notre notion d'identité. Et je vais terminer là-dessus. Nos jeunes rentrent chez eux. Ils disent à leurs parents: mon père, pourquoi il utilise tant d'eau quand il se rase? Quand il y a des sécheresses, il faut limiter votre consommation d'eau.
On n'a pas été dans cette pièce, il faut éteindre la télé, les lumières, ces enfants disent aux parents. Pourquoi deux voitures? Il y en a une qu'on n'utilise pas. Pourquoi pas partager les voitures dans un réseau? Mon petit frère, ma petite soeur, pourquoi pas partager des jouets sur un site web? Par exemple, on échange des jouets entre frères, soeurs. On stérilise les jouets. Et un autre enfant dans une autre famille peut utiliser un jouet. Il s'agit de, pas de possession, mais d'expérience partagée. Les jeunes nés après 2000 apprennent l'idée d'empreinte écologique. Ils savent que tout ce qu'on fait a un impact sur la vie de quelqu'un d'autre sur la planète. Ce que nous consommons, ce que nous perdons, ce que nous gaspillons, ce que nous polluons, notre existence affecte une autre famille, un autre être humain, une autre communauté et les autres êtres humains. Et je dirais quelque chose pour la race humaine. Les autres êtres humains ont le droit d'avoir leur trajectoire sur cette planète, tout comme nous. J'espère que ce que j'ai dit aujourd'hui, eh bien, c'est de la théorie. Ce dont vous avez parlé, c'est la pratique. Vous êtes dans la pratique. Vous avez mis en pratique une nouvelle vision puissante pour cette ville. Également, porteur, vous êtes tous ensemble. Ce n'est pas du haut vers le bas, c'est latéral, c'est distribué, c'est collaboratif. Vous avez amené des centaines de personnes, vous les avez réunies, vous avez travaillé pendant 2 ans pour créer un programme commun pour réaliser cette transformation dramatique de cette ville. Ça peut être un phare. Un premier pas dans Hauts-de-France et en France. Je ne peux pas vous dire combien il est important ce que vous faites. Maintenant, vous êtes des leaders. Maintenant, vous avez créé un exemple pour toutes les villes du monde. J'espère, Monsieur le maire, avec les 3 générations dans cette salle, maintenant, il faut redoubler vos efforts, ou même quadrupler vos efforts. Il vous faut porter cette nouvelle vision, influencer la communauté des affaires, créer des emplois et montrer comment une ville comme la vôtre peut être un phare. Qui peut encourager les communautés dans le monde entier de prendre le même chemin que vous. L'héritage, on peut espérer, on sauve notre espèce, on sauve les autres espèces, êtres humains, on sauve cette merveilleuse terre, on transmet toute cette richesse à des générations futures. Notre espèce aura son avenir, son propre chemin. Et voilà l'héritage que nous pouvons laisser. Et je vous applaudis pour votre vision. J'aimerais revenir ici tous les ans ou tous les 2 ans et voir où vous en êtes. Et je vous félicite. Je prends ce que vous avez fait ici et partager ce que vous avez fait avec des communautés dans le monde entier. Merci. Merci Jérémy Rifkin. On aura l'occasion, vous aurez l'occasion d'échanger puisque dans une vingtaine de minutes maintenant, vous aurez l'occasion de prendre la parole, de poser des questions et de faire part de vos impressions. D'autres acteurs, d'autres promoteurs de la troisième révolution industrielle sont avec nous aujourd'hui. Je vais demander à Philippe Rapneau de me rejoindre à ce pupitre, de prendre un micro. Vous êtes vice-président de la région Hauts-de-France, je l'ai dit, en charge du développement durable de la troisième révolution industrielle et de la transition énergétique. Vous avez aussi assisté à ce récit des fourmisiennes et des fourmisiens de leur rêve 3. D'abord, quelle est votre réaction face à ce que vous avez vu et est-ce que vous diriez que c'est un exemple, quelque chose qui doit, ça existe ailleurs bien sûr dans la région, mais qui doit être multiplié? Ça existe ailleurs dans la région, mais aussi bien qu'à Fourmies, je le dis, peut-être pas, parce que l'engagement a été tel que, et d'ailleurs quand on a la chance d'avoir les applaudissements de Jérémy Rifkin, ça veut dire qu'on a vraiment une très bonne note dans la démarche troisième révolution industrielle. Et je crois que à l'instar de ce qui nous a été dit, de ce qui a été évoqué avec les nombreux témoignages,
La façon dont la démarche a été initiée, avec une volonté affichée d'un maire, Michael Hérault, qui a su s'entourer, engager cette démarche, on voit aujourd'hui les résultats, parce que le monde dans la salle, l'ensemble des intervenants, la multitude des exemples de ce qui a été lancé sur cette commune montre bien que le pari qui était celui de l'adhésion de la population, d'avoir des gens qui avaient envie de faire, où on voyait d'ailleurs des visages réjouis, des gens qui étaient contents de témoigner de ce qu'ils avaient fait, eh bien ça c'est la plus belle des récompenses, de montrer que la région, effectivement, il y a quelque temps, s'est engagée dans cette démarche, a créé le cadre, mais qu'il y a des territoires qui ont su saisir leur chance et qui ont su engager cette démarche avec la volonté qu'on a pu constater, et aujourd'hui avec les premiers résultats. Et moi, je pensais, je crois que c'était Michel tout à l'heure qui expliquait que la plus dure à convaincre, c'était sa femme. Il y est arrivé, mais je pense qu'aujourd'hui, grâce à lui, il va convaincre bien évidemment beaucoup d'habitants de Fourmies, et que très naturellement, eh bien, en termes de rénovation énergétique des logements, les choses vont se faire. Et oui, je pense qu'il mérite ce titre d'ambassadeur de la troisième révolution industrielle. En même temps, on a entendu le discours de Jérémy Rifkin, c'est exigeant quand même ce qu'il nous dit. Il y a une espèce d'urgence. Il a commencé son discours par là, sur l'urgence écologique, sur l'urgence de changer de modèle, d'un modèle profondément inégalitaire qui produit toutes les ruptures auxquelles on assiste. Est-ce que vous partagez ce sentiment d'urgence? Alors cette urgence, elle est là, mais je dirais que ça fait des années qu'on dit qu'il y a urgence. Alors plus on avance... Plus si on ne réagit pas, je pense qu'on va dans le mur, et peut-être même en klaxonnant, comme dirait l'autre. Je crois qu'il y a Jean-François Caron qui est dans la salle. J'étais avec lui en 2002 en Afrique du Sud, à Johannesburg, et on avait eu la chance d'entendre un président de la République français qui disait « la maison brûle et on regarde à côté ». Et donc, bien évidemment, depuis, eh bien, il y a quelques années, une quinzaine d'années qui se sont écoulées, la prise de conscience est là, progressive. Les actions se mettent en route et nous devons, et c'est le rôle de la région, eh bien donner les moyens d'amplifier cette démarche. Et ça a été toute la commande d'ailleurs de Xavier Bertrand quand il a été élu président de cette région, parce que je ne sais pas pourquoi d'ailleurs tout le monde pensait qu'on allait arrêter. Et que, bon, cette réflexion, cette expérience qui avait été lancée allait s'arrêter là avec l'arrivée de Xavier Bertrand. Eh bien non, la volonté a été d'ailleurs... Et j'en suis très honoré d'avoir un vice-président en charge de la troisième révolution industrielle et de multiplier les actions, d'amplifier les actions, ce que nous faisons aujourd'hui. Et on le voit bien, très clairement, avec cette salle complète aujourd'hui et les résultats qui sont là. Et donc, moi, j'ai envie de dire à Fourmies, vous êtes, on l'a certainement déjà fait plusieurs fois, mais vous êtes formidable. Mais je propose qu'on en reste là. Non, tout. Moi, si vous voulez, ce qui est vraiment intéressant pour un vice-président comme moi, c'est pouvoir aller sur les territoires et d'avoir ces témoignages et d'avoir ces retours et de voir cet engouement, cette volonté des territoires de faire. Il y a une dynamique qui a été créée, il y a une énergie formidable qui est en train de se développer et qui passe à la phase réalisation. Et comme l'a dit tout à l'heure Xavier Bertrand, mais d'autres, l'objectif, c'est bien de créer les emplois pour les gens de cette région, pour les gens de ce territoire et les emplois de demain. Il ne faut pas que, Jérémy Rifkin le disait tout à l'heure, il ne faut pas qu'on ait peur, il faut un peu chasser la peur de ce que peut être la troisième révolution industrielle et surtout redonner de l'espoir. Merci Philippe Rapneau. Je vous laisse regagner votre place et je vais demander à David Brussel de me rejoindre. Vous êtes directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France. Vous représentez le monde économique, les entreprises, les créateurs. Est-ce que ce qui se passe à Fourmies vous parle? Et c'est la même question. Est-ce que ça peut servir d'exemple? Et est-ce qu'il y a besoin d'amplifier, d'aller plus loin? On l'a dit, tout le monde en a conscience. Mais mine de rien, on voit que le paquebot est lourd à bouger vers un nouveau mode de développement. Donc est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous donne envie de dire c'est là qu'il faut aller regarder ce qui se passe? Écoutez, moi ce que ça m'inspire, c'est un immense waouh.
Effectivement, Fourmi est sans doute formidable, mais je crois qu'aujourd'hui, le 7 novembre 2017, Fourmi n'est rien d'autre que la capitale de la troisième révolution industrielle. C'est ça qu'on est en train de faire, c'est ça qui se passe aujourd'hui à Fourmi. Je pense que Jérémy pourra en attester. On est aujourd'hui dans la capitale de la troisième révolution industrielle. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, Fourmi, on l'a vu, Fourmi, et pardonnez-moi aussi le jeu de mots, d'initiatives en tout domaine, des initiatives de territoire, des initiatives d'entreprise. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on passe du rêve à la réalité. Ça a été dit, et je crois que c'est très important que d'être passé du concept à ce développement d'activité économique, parce que la troisième révolution industrielle, c'est d'abord de l'activité et c'est d'abord de l'emploi. Alors aujourd'hui, effectivement, on fait de cette région des Hauts-de-France le laboratoire grandeur nature de ces nouveaux modèles économiques fondés à la fois sur la transition énergétique, sur la transition numérique. C'est ça qui fait la troisième révolution industrielle. Et on a aujourd'hui plus de 800 projets dans cette région des Hauts-de-France qui sont portés par des entreprises de toute taille et de tout secteur d'activité et qui font les métiers d'aujourd'hui et surtout les métiers de demain qu'on est également en train de préparer. Alors bien sûr, c'est un modèle Fourmi, il faut se le dire aujourd'hui. On n'a pas cette dynamique dans tous les territoires, mais l'enjeu, c'est de capitaliser sur ce qui se fait ici. Alors beaucoup d'entreprises ont été citées. Pour ce qui concerne les chambres de commerce, on en a accompagné un certain nombre que vous connaissez ici sur Fourmi. Ça va être par exemple Eurocave, qui est le leader mondial des caves à vin haut de gamme. Ça va être par exemple les remorques Hubière. Ça va être par exemple les laboratoires Gobelet Daubas qui ont fait de l'impression 3D également un nouveau modèle économique. Alors, il faut se le dire, et c'est très important, c'est que la troisième révolution industrielle, au-delà de l'emploi, au-delà de l'activité, ça permet de donner des avantages de compétitivité aux entreprises. Le président Bertrand l'a dit, il y a une entreprise qui est pas loin d'ici, dans la Vénois, qui est l'imprimerie de la Vénois, à Vennes, justement. Et grâce, effectivement, à cette rotative numérique, elle s'est ouverte des nouveaux marchés, des marchés européens, vers du journal à dimension très calibrée et en fonction d'un lectorat très, très demandeur du sur-mesure de la presse. Alors, effectivement, nous, Chambre de commerce, notre rôle, c'est effectivement d'amplifier, d'accélérer, de faire en sorte que cette mayonnaise prenne, et Dieu sait qu'elle prend. Il y a 4 ans, on était loin d'imaginer qu'on serait un jour dans une ville de 12 000 habitants avec autant de monde et autant de mobilisation. Et notre rôle, c'est effectivement d'accompagner ces chefs d'entreprise, d'accompagner ces projets de façon différente. On a des équipes dédiées, il y a une équipe au conseil régional, il y a une équipe à la chambre de commerce. Et on est là pour vous accompagner dans toutes les phases de développement de votre entreprise. Depuis la création jusqu'à la croissance, en passant par la transmission. On a des solutions de financement, il y en a plusieurs qui ont été mises en place. Je rappelle qu'on a lancé un livret d'épargne troisième révolution industrielle, avec un peu de scepticisme au tout départ, n'est-ce pas, monsieur Vasseur, on s'en souvient. Aujourd'hui, c'est 17 millions d'euros qui ont été collectés. On vous avait dit que vous n'y arriverez jamais. Oh, exactement, on nous avait dit. Déjà, on nous avait prédit qu'on n'allait pas réussir à le faire. C'est pas légal, non seulement on l'a fait, mais en plus, on s'était dit que personne n'allait souscrire. Et là, c'est 17 millions d'euros à coût de 10 euros, à coût de 50 euros des habitants de cette région qui se sont mobilisés. Et bien au-delà. Et ces millions d'euros vont financer des entreprises comme les vôtres sous forme de prêts à des taux bonifiés. Mais on a également mis en œuvre sous la houlette du Conseil régional un fonds d'investissement qui va financer sous forme de prise de participation en capital des entreprises pour les aider à se développer. Alors je ne prendrai qu'un seul exemple parce qu'il me tient particulièrement à cœur et je rebondis sur ce que disait le maire de Fourmi, Michael Hiraud. Vous allez lancer, c'est une magnifique initiative, un hub de l'impression 3D sur le domaine du métal. Eh bien, moi, je me souviens, il y a 2 ans et demi, 3 ans même, un jeune start-upper qui était venu me voir tout seul. Il avait une idée, c'était de développer l'impression 3D grand public. Eh bien, nous l'avons incubé à la Serre Numérique à Valenciennes. C'est pas loin d'ici, c'est dans le territoire du Grand Hainaut également. Eh bien, ce start-upper, aujourd'hui, c'est 25 personnes qu'il a embauchées en 2 ans et demi. Eh bien, juste pour ça, il faut faire la troisième révolution industrielle, il faut continuer. Et c'est la raison pour laquelle, et je peux l'annoncer, nous en avons parlé avec le maire Michael Hiraud, nous allons lancer ici, sur le territoire de Fourmi, j'en terminerai par là, un accélérateur troisième révolution industrielle, un accélérateur REF3. Qu'est-ce que c'est ? On va en inaugurer un le 15 décembre à Douai, ce sera le premier. Eh bien, il y en aura un bientôt sur Fourmi. Qu'est-ce que c'est ? C'est un programme d'accompagnement des entreprises de 2 versions. Une version pour les entreprises start-up débutantes et une version pour les entreprises un peu plus structurées avec tout un dispositif d'accompagnement pour les aider à aller plus vite et pour accélérer. Donc, on va le faire et on va le faire ensemble. Donc, j'ai envie de dire, il faut vraiment continuer tous ensemble. Merci beaucoup.
Fabrice Boissier, vous êtes directeur général délégué de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Deux questions. D'abord, peut-être une première réaction à chaud sur ce que vous avez entendu. Je ne sais pas si c'est la première fois que vous veniez à Fourmies ou pas. Et la deuxième, c'est que l'ADEME vient d'actualiser son scénario 2030-2050 au niveau national. Est-ce que la trajectoire que se donne Fourmies est dans les clous de cette trajectoire nationale? Est-ce que, question subsidiaire, est-ce que pour agir, la ville, même si on a vu que ça va un peu plus loin que l'échelle de la ville, ça va en Belgique, ça va un peu plus dans le sud du département, mais est-ce que la ville est la bonne échelle pour agir? Ça fait beaucoup de questions. Oui, en 7 minutes. Je suis un peu le parisien de service. Effectivement, c'est la première fois que je viens à Fourmies. Et je peux vous dire que j'ai ressenti l'enthousiasme qui porte la salle et qui m'a gagné. Qui m'a un peu ému aussi parce que vous disiez qu'on vient d'actualiser notre scénario ADEME, transition énergétique à l'horizon 2050. Je le présentais il y a 3 semaines là, à la presse à Paris. Eh bien, la réception était mitigée, fraîche, c'est pas possible, ça coûte trop cher, ça va pas marcher. Eh bien là, je la vois en marche, quoi, cette transition, cette troisième révolution industrielle, ce qu'on appelle à Paris la transition écologique énergétique, voilà, elle est là, elle se fait. Alors, si on remonte un peu dans le passé, cette actualisation de nos visions, c'est un exercice qu'on avait lancé en 2012, au moment du débat national sur la transition énergétique. On avait lancé des propositions, on peut faire 40% d'énergie renouvelable en 2030, on peut diviser par 2 la consommation d'énergie en 2050, on peut diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre. Et ça, c'était le scénario de l'ADEME. C'est un scénario qui est un peu futuriste, un peu... c'est les rêveurs de l'ADEME, on les connaît. Et puis, 3 ans après, la loi de transition énergétique a inscrit ça dans la loi. Les objectifs qu'on avait proposés, ils sont maintenant dans la loi. Et notre actualisation qu'on a sortie il y a 3 semaines, elle pousse un peu un cri d'alarme. Sa conclusion, c'est de dire, il faut agir très vite, on est en train de prendre du retard, c'était déjà dit, et donc c'est maintenant qu'il faut prendre les mesures sur le bâtiment, sur les transports, pour faire évoluer notre système agricole. Et donc c'était un peu le message de notre actualisation, c'est il faut agir vite. Et là, je viens ici aujourd'hui et je vois que vous agissez, et vous agissez avec enthousiasme, ça déborde d'énergie, et vous avez justement abordé tous ces sujets, les transports, la mobilité, la rénovation énergétique, ce que peut apporter le numérique aussi. Donc tout ça me paraît extrêmement positif, et pour répondre de manière courte à votre question, c'est oui, vous êtes tout à fait en ligne avec les objectifs des scénarios de l'ADEME. Je voudrais peut-être insister sur 2 petits points un peu plus techniques qui n'ont pas tellement été évoqués. Le premier, c'est le secteur agricole. L'agriculture va être un levier majeur pour la transition écologique énergétique à plusieurs titres. D'abord parce que c'est elle qui nous nourrit et que l'alimentation, c'est 30% de nos émissions de gaz à effet de serre. Et donc, il faut absolument qu'on fasse évoluer nos modes d'alimentation, mais ce n'est pas uniquement dans l'assiette, ce n'est pas uniquement au niveau agricole, c'est sur toute la chaîne. Et ça veut dire changer nos comportements, diminuer le gaspillage alimentaire, peut-être rééquilibrer notre mode d'alimentation, consommer plus local, consommer peut-être du bio. Il faut que l'agriculture, elle passe sur un mode d'agroécologie et avec du bio. Dans les visions de l'ADEME, à 2050, on imagine que 90% des surfaces agricoles soient en bio ou en agroécologie. Vous voyez que c'est un formidable levier de transformation et de compétitivité pour notre agriculture. Peut-être qu'on mange un peu moins de viande aussi. Voilà, je parlais poliment de rééquilibrer notre alimentation, c'est un peu ça qu'il y a derrière. Équilibrons un peu les protéines animales et végétales. Mangeons moins de viande, moins souvent, mais meilleure qualité. Ouais, ça, c'est ce que dit mon ministre Nicolas Hulot quand il n'était pas encore ministre. Donc j'aime bien répéter ça, on peut se faire plaisir. L'agriculture, c'est aussi un levier pour les énergies renouvelables. C'est la méthanisation. La méthanisation, c'est du gaz vert. Et le gaz vert, c'est ce qui peut permettre de verdir le secteur des transports via le GNV. On peut faire des véhicules qui fonctionnent au gaz, qui fonctionnent au gaz vert renouvelable. Et donc là, c'est une formidable opportunité pour se séparer du pétrole qui reste la principale source dans les transports. Deuxième secteur sur lequel je voudrais revenir, enfin au plus deuxième thème, celui de l'économie circulaire. On a beaucoup parlé énergie, économie d'énergie, changer de vecteur énergétique. Il faut aussi penser que nous consommons des ressources à un point que la planète ne le supportera pas très longtemps. Chacun de nous dans cette salle, chaque Français, consomme 15 tonnes de ressources par an,
ça correspond à toutes les ressources qui ont dû être utilisées pour vous habiller, vous nourrir, vous loger, vous déplacer. Imaginez qu'on vous livre dans votre jardin les 15 tonnes chaque année que ça représente, le poids que vous faites peser sur la planète. Et ça, c'est un poids qu'on fait collectivement peser. Donc il faut absolument rentrer à un autre modèle. On ne peut plus puiser les ressources, consommer, jeter. Il faut rentrer dans l'économie circulaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut, au niveau de la conception de nos produits, de nos entreprises, penser éco-conception, utiliser des matières recyclées. Mais c'est surtout aussi au niveau de la consommation, il faut qu'on change et qu'on rentre dans l'économie de la fonctionnalité. Vous avez un laboratoire avec des imprimantes 3D, c'est un excellent exemple de levier technique qui peut nous permettre de changer notre manière de consommer et d'agir. L'ADEME a sorti une étude il y a quelques mois sur le levier justement des imprimantes 3D pour augmenter la réparabilité des produits. Puisque aujourd'hui, il faut savoir qu'un tiers des Français, si leur téléviseur tombe en panne, ne va même pas chercher à le réparer, il va aller en acheter directement un autre. Si on rentre dans une logique de réparabilité, on peut diminuer l'impact sur les ressources, on peut diminuer la pression qu'on met sur ces ressources. Et là, les imprimantes 3D vont permettre de réparer des choses beaucoup plus facilement qu'avant. Et bonne nouvelle aussi, c'est que ça va créer des nouveaux écosystèmes d'emploi. Les réparateurs, comme ça existait il y a 10, 20 ans, et qui ont de moins en moins de travail parce qu'on répare de moins en moins, il va y avoir de nouveaux, avec des nouveaux types, s'appuyant sur le métier du numérique. Et pour ça, il faut développer les imprimantes 3D. Il faut aussi les rendre plus fiables, plus techniques. Et alors, le hub que vous voulez faire à Fourmies, à mon avis, c'est un potentiel d'avenir et de rayonnement national de votre ville énorme. Donc je pense que vous avez là une très bonne idée qui peut être exploitée. J'en viens rapidement à la dernière question, celle des territoires. À l'ADEME, on est convaincu que la révolution industrielle, cette troisième révolution industrielle, elle se passera dans les territoires et c'est là qu'il faut la faire. C'est pour ça qu'on fait nos études nationales. On est aussi bien sûr présent en région aux côtés de tous les partenaires, le conseil régional, la CCI, les acteurs des collectivités locales. Hervé Pignon, notre directeur régional qui est là, le sait bien. On est d'ailleurs en train de mener deux études. Une pour revoir le master plan de la troisième révolution industrielle à l'échelle de l'ensemble des Hauts-de-France, et une deuxième pour évaluer les emplois qui vont être créés sur les territoires par cette troisième révolution industrielle, donc sur les territoires vraiment géographiquement situés dans les Hauts-de-France. Pour raisonner de cette manière-là, on est obligé d'avoir une maille où on est à la fois suffisamment concret pour être proche des problématiques que rencontrent les habitants, les collectivités, les entreprises, mais à la fois on ne peut pas être trop petit, parce que si on est trop petit, on ne va pas capter tous les enjeux de mobilité, tous les enjeux d'économie. Et donc ce qu'on voit nous, c'est qu'il faut raisonner sur des bassins socio-économiques d'emploi et de vie. C'est une communauté de communes ou quelques communautés de communes qui ont suffisamment d'interactions pour qu'on puisse réfléchir à leur échelle. Et je parlais d'économie circulaire, il faut que cette économie circulaire devienne territoriale. Ça ne sert à rien de recycler si c'est pour envoyer nos plastiques recyclés en Chine. Il faut recycler sur nos territoires et que les entreprises des territoires utilisent cette matière première pour faire vivre l'activité des territoires. Et c'est ça qui sera un levier de développement de l'emploi dans la région, à Fourmies et en France. Donc il faut des leaders, il faut des locomotives, des villes comme Fourmies, mais il faut penser à accrocher ça à d'autres territoires pour atteindre une espèce de taille critique. C'est ça que... Il y a une question de taille critique, mais je ne voudrais pas oublier de dire qu'il est extrêmement important, comme vous le disiez, d'avoir des démonstrateurs. On a parlé de Los Angeles, on a parlé de Grande-Synthe, on a Fourmies ici, ça fait trois démonstrateurs dans la région des Hauts-de-France qui peuvent être des locomotives pour le reste de la France. Et d'ailleurs à l'ADEME, sans vergogne aucune, on va utiliser avec votre accord et souvent avec vous, vos expériences pour aller transposer et semer ce que vous avez expérimenté dans les autres régions de France pour que l'ensemble du territoire français puisse profiter de votre dynamisme. Merci Fabrice Boissier, je vous laisse regagner la place. Merci pour cet éclairage. On va entamer maintenant la troisième partie, je vous l'avais annoncé, celle où vous avez la parole. Alors peut-être que techniquement, on peut être un peu baisser la lumière dans ce qui arrive sur scène et augmenter un peu celle qui éclaire la salle, ça nous permettra de mieux vous voir. Je vais proposer à Marie Henneron de nous rejoindre sur scène. Je crois que monsieur le maire est parti accueillir, il y a des usages républicains qu'on ne contourne pas. Monsieur le maire est parti à accueillir monsieur le secrétaire d'État qui est arrivé et qui sera avec nous tout à l'heure, mais il va nous rejoindre.
pour échanger librement. Donc il y a un micro là-haut, deux micros ici. Vous avez les acteurs qui sont sur scène, mais aussi ceux qui étaient là en première partie, qui peuvent répondre à vos questions. Je vous propose juste de lever la main, de vous présenter quand vous avez une question, et puis d'essayer de se tenir chacun à 2-3 minutes, pas beaucoup plus, pour que la parole soit comme l'énergie partagée. Alors, il y a toujours le fait de la première question. Monsieur, on vous écoute. Merci. Bonsoir à tous. Ce n'est pas une question, mais Est-ce que vous pouvez juste vous présenter votre nom, où vous habitez, mon nom, c'est Amal Mohamed, architecte. Je viens tout juste porter un message à monsieur le maire et à l'équipe municipale, parce que la troisième révolution a permis de jeter entre la ville de Fourmi et une petite commune dans la Damawa au Cameroun, dont ce monsieur, le maire de cette commune, m'a demandé de venir présenter ses félicitations et plein succès à cette manifestation. Merci. Ben merci pour votre témoignage. Monsieur, on vous écoute. Bonjour. C'est une question pour monsieur Rifkin. Tout d'abord, merci beaucoup d'être là. Est-ce que, juste, vous pouvez vous présenter en deux mots comme vous voulez, mais on prend cette règle-là. Et je suis en train de créer une entreprise dans le cadre de REF 3, et j'espère intégrer d'ailleurs la première promotion à Douai. Je fais partie des candidats. Donc, monsieur Rifkin, merci beaucoup d'être présent ici. Ma question, alors tout d'abord, une petite observation. Au niveau des cinq piliers, il me semble qu'un sixième pilier, qui aurait été l'éducation, eût été intéressant, puisque il ne faut pas non plus que cette nouvelle révolution industrielle crée une fracture supplémentaire entre ceux qui ont accès à la connaissance et à ce développement possible et ceux qui pourraient rester sur le côté, comme on peut le voir aujourd'hui dans nos villes, où à chaque fois on a toujours une partie de la population qui est un peu écartée des évolutions de nos sociétés. Qu'est-ce qui va se passer ? Une fois qu'on aura mis en place cette nouvelle révolution industrielle, quelle est votre vision sur la suite de nos sociétés? On sait que l'évolution des températures, vous en avez parlé un peu tout à l'heure, ne va pas être de 2 ou 3 degrés, mais certainement bien supérieure. On sait qu'on va avoir des migrations bien plus importantes que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Vous, aux États-Unis, avec l'Amérique du Sud qui va remonter. Nous, avec l'Afrique aussi, ça ne sera plus quelques dizaines de milliers, mais plusieurs millions de personnes qui vont devoir subir un exode. Comment vous voyez-vous, s'il vous plaît, l'évolution de nos sociétés à travers tout cela? Merci. Bon, la question de l'éducation est essentielle. La question de l'éducation, oui, c'est essentiel. Le plus grand chapitre dans le livre, c'est le chapitre de l'éducation. Donc si vous pouvez lire le livre, je pense que ça pourra vous aider. Le problème avec le système d'éducation, c'est que c'est un système du 19e siècle d'éducation publique pour la première révolution industrielle, finalement. Et donc la mission, c'était de préparer les gens à travailler sur des machines. Donc quand vous allez à l'école, la première chose qu'on vous dit, c'est que la connaissance, c'est le pouvoir. Donc les enfants apprennent que les connaissances, c'est quelque chose que j'ai pour être compétitif contre quelque chose d'autre. Et donc vous allez à l'école, vous avez l'enseignant devant tous les étudiants, et puis s'ils partagent des informations, on appelle ça de la triche, et puis il faut mémoriser et recracher les informations. Et puis il y a chaque 50 minutes, la sonnette retentit et il faut passer à l'autre cours. Donc ce qui se passe, c'est que tous les lycées se sont réunis, comme vous le savez, avec les 7 universités également. Et les 7 universités font ce qu'ils appellent de l'éducation distributive dans notre livre. Et pour ceux qui sont nés dans les années 2000, avec le numérique, finalement, ce que vous apprenez en dehors de l'école est complètement différent de ce que vous apprenez à l'école. En dehors de l'école, vous partagez, vous mettez vos écrans ensemble, vous interagissez, vous créez de la connaissance en tant que membre d'équipe, mais en classe, vous êtes
Vous êtes en compétition finalement. Donc, l'université, la Cato de Lille a été chargée avec d'autres universités d'adopter cette approche. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, demandé que toutes les facultés enseignent des cours qui soient interdisciplinaires. Donc vous n'avez plus de barrière finalement entre chaque discipline. Et les professeurs travaillent avec les étudiants pour que, par exemple, si vous étudiez la biologie, vous n'aurez pas seulement un biologiste, mais peut-être aussi un philosophe, un sociologue, un anthropologue. Et ils peuvent tous vous aider à apporter une perspective différente dans la façon dont on étudie la biologie. Donc, vous pensez de manière systémique, finalement, en perspective. Vous apprenez à faire des connexions entre les différentes matières. Ça, ça crée un étudiant avec un état d'esprit totalement différent. Et puis, ils n'ont pas encore éliminé les notes, mais tous les étudiants apprennent en équipe maintenant. Avant, c'était individuel. Et ces équipes, finalement, chaque étudiant dans l'équipe est responsable d'une partie de l'éducation des autres étudiants. Donc, il y a des écoles qui font ça déjà, en biologie, en business, etc. Mais ce qu'on voit ici, c'est que vous... si vous partagez connaissances, c'est plus tricher. C'est la façon dont on devrait apprendre parce que la connaissance, c'est une expérience sociale et on devrait le voir pas comme quelque chose de compétitif, mais comme une expérience sociale pour essayer de trouver une relation avec d'autres. Et puis, ils n'ont pas éliminé les salles de classe, mais maintenant, ce qu'ils font, c'est que tout ce que vous apprenez en cours doit être appliqué dans la vie. Donc, il faut travailler dans votre quartier, par exemple, pour mettre en œuvre ce que vous apprenez à l'école pour que vos voisins fassent partie de ce modèle distributif. Donc, ça, c'est la Cato à Lille qui fait ça. Et maintenant, les autres 6 universités travaillent pour faire la même chose. Et pour finir avec ça, il faut... voir que les infrastructures pour les 2 premières révolutions industrielles ont été faites pour être centralisées en termes d'énergie, de communication, donc de manière centralisée, du haut vers le bas, de manière avec des propriétaires de verticales. Bon, c'était la seule façon de gérer la vie politique, économique et sociale. Mais la plateforme pour la 3e révolution industrielle doit être distributive et pas centralisée. Ça fonctionne mieux si c'est en open source et pas fermé, parce qu'il y a plus de personnes qui partagent et donc ça fonctionne mieux. Et ça fonctionne encore mieux si c'est latéral, pas vertical. Donc, c'est le type d'éducation qu'il faut apporter dans les salles de classe. Et je pense que si on fait ça, on a une génération déjà qui fait déjà ça. Et on partage de plus en plus sur Skype, sur Facebook, etc. Et donc, il faut apporter ça jusqu'aux salles de classe. Et l'autre partie de la question, j'ai oublié, qu'est-ce que c'était ? Ah oui, bon, ça c'est un problème. On essaye de faire un système qui soit adapté. Mais ces courbes exponentielles du cycle de l'eau créent beaucoup de perturbations, bien sûr. Il y a beaucoup de crises de réfugiés, par exemple, qui sont venus de Syrie en Europe, et on n'en parle pas dans les médias, en fait, qui sont venus à cause des vagues de chaleur en Syrie et en Moyen-Orient il y a quelques étés. Ça a été jusqu'à 138 degrés Fahrenheit. Donc, vous ne pouvez pas vivre, même avec la clim. Donc, il y a des gens qui allaient mourir et qui ont été obligés de migrer. Et donc, ils ont pris le risque de traverser la mer. Donc, je pense qu'il y a 2 choses ici. La première, c'est qu'il faut construire la résilience dans votre région. Il faut construire la résistance et pour être autosuffisant. Et vous avez parlé de la biologie, des systèmes locaux, des flux circulaires. Par exemple, si vous avez une coupure de courant comme à Porto Rico le mois dernier,
Si vous avez le vent et le soleil et vous n'avez plus de, d'électricité, alors vous pouvez trouver une solution et vous allez rétablir le courant. C'est ce qui s'est passé en Inde il y a quelques années. Tout le réseau électrique est parti et la région où ils ont eu la troisième révolution industrielle, et ben, ils ont eu du courant. Donc, il faut, en termes de migration, il faut déjà se concentrer sur nos propres régions pour qu'elles soient résilientes. Mais il faut s'assurer qu'il faut prendre en compte le réchauffement climatique et le cyberterrorisme. Mais effectivement, il y aura des migrations. Ce que je pense que c'est les forces militaires dans le monde vont être converties en force de gestion d'urgence, finalement. Et vous allez voir une transformation de l'armée militaire, en fait, qui a déjà lieu, finalement, pour pas combattre, mais pour faire face à des situations de crise et aider la population. Mais on n'y est pas encore. Peut-être qu'on n'y arrivera pas. Mais chaque région doit être responsable de sa résilience et d'être circulaire et d'être en mesure de trouver des solutions quand il y a besoin. Est-ce que quelqu'un lève la main que je ne verrai pas avec toute cette lumière ? Quelqu'un là-haut au premier étage. Monsieur, on vous écoute. Oui, bonjour, Jean Douet. Donc, société Metalac, constructeur et installateur de méthaniseurs. Donc, comme monsieur Bertrand disait tout à l'heure en entrant, lorsqu'on avance, on regarde la ligne d'horizon et on voit pour, je dirais, le futur, l'avenir, comment ça va se passer. Mais c'est une belle chose. Mais d'abord, il faut peut-être aussi voir les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui dans la création, je dirais, d'entreprises. Déjà, un gros point, je dirais, le problème administratif, qui est quand même un gros frein. Si on compare des installations dans d'autres pays où, en moins d'un an, vous arrivez à faire une construction que chez nous, en France, il faut 2 ans et plus. Mais ce qui m'interpelle le plus, c'est ce qu'on appelle les zones ZRR. Donc, ça veut dire des zones de revitalisation rurale. Il faut savoir que dans chaque département, on va mettre les communes de ces départements qui sont en difficulté de manière à ce qu'elles puissent avoir des aides lorsque les entreprises s'installent. Donc des aides notamment au niveau des réductions fiscales, des aides au niveau des réductions s'ils emploient, je dirais, des salariés, etc. Mmh. Et quand on regarde sur le challenge national, parce que bon, c'est quelque chose qui passe, je dirais, au niveau du journal officiel. Et donc, on se rend compte qu'il y a 6 ou 7 départements qui sont exclus de ces zones-là. Alors, lorsqu'on voit, je dirais, Paris, on peut comprendre. Quand on voit, je dirais, la Savoie également, les Yvelines, et on voit également le 59. Eh bien, le 59, il faut savoir qu'il n'y a aucune commune qui peut prétendre à cette appellation ZRR. Et donc, nos entreprises, elles arrivent, elles démarrent, et elles n'ont pas, je dirais, d'aide à ce niveau-là. Et si je reprends l'article de la Voix du Nord, je termine, et il n'est pas vieux, il est du 25-10, donc 2017, il y a quelques jours, 19,4% de défaillance d'entreprise au troisième trimestre 2017. Pour faire court, si je résume, vous trouvez que les entreprises ne sont pas assez accompagnées et aidées, et en particulier dans le Nord, c'est ça l'idée ? Mais, tout à l'heure, je dirais, on avait sur le plateau, je dirais, des politiques. Ce que je leur demande, c'est que l'on m'explique pourquoi le Nord, notamment, alors le bassin, vous prenez le Catésie, vous prenez la Pourquoi Tirache. Le Nord ne bénéficie pas d'un plan de rattrapage plus important ? Tout à fait. Il y a 2 politiques sur cette scène, je vais leur passer la parole. Philippe Rapneau. Merci. Vous faites allusion à des dispositifs qui sont des dispositifs d'État, monsieur. Moi, je ne suis pas parlementaire. Pour autant, il y a un certain nombre de critères qui sont... Voilà, bon. Aujourd'hui,
C'est quoi une commune rurale ? C'est une commune rurale, c'est une commune qui fait plus ou moins de temps ou 2000, 2500 habitants. Mais est-ce qu'elle est encore rurale dans le concept quand elle est associée à une grande ville et qu'elle appartient à une métropole ? Ensuite, il y a vraiment des territoires qui sont pour moi des territoires ruraux sur lesquels, bien évidemment, nous devons avoir une action, une particulière. Et je considère que, par exemple, quand on est à Fourmies, même si c'est une ville avec ses 10 000 habitants, qu'il y a un passé industriel assez important, eh bien, on est dans un territoire qui est pour moi un territoire rural. Et c'est plutôt à l'échelle des territoires qu'à l'échelle de la commune qu'il faut réagir et qu'il faut travailler. C'est ce que nous faisons en région, puisque un certain nombre d'actions sont menées en direction des territoires ruraux. Nous avons aussi pris un certain nombre de dispositifs pour accompagner nos entreprises. Philippe Vasseur pourrait en parler encore mieux que moi, mais je ne pense pas qu'aujourd'hui une entreprise, fût-elle dans le monde rural, qui vient taper à la porte de la région, excusez-moi, je parle pour la région parce que je suis vice-président de la région, et notamment si elle a un projet en direction de la troisième révolution industrielle, eh bien, je pense qu'elle sera accompagnée et aidée. David Bruxelles l'a dit tout à l'heure dans son intervention, on a créé un certain nombre de fonds d'accompagnement. Je ne vais pas les développer tous, mais vous avez le fonds que nous gérons avec l'ADEME, qui est le Fratrie, le fonds régional d'accélération de la troisième révolution industrielle. Il y a le livret troisième révolution industrielle qui a été créé à l'initiative de la CCI de Philippe Vasseur à l'époque. Il y a Cap3RI qui est un fonds de participation, c'est-à-dire qu'on vient au capital des entreprises, même les petites entreprises, on a d'autres dispositifs pour cela. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire, si on a 5 minutes à la sortie de la salle, et si vraiment vous avez un projet et que vous avez une préoccupation particulière, je suis tout à fait prêt à vous voir, ou alors on se voit en région, et je suis intimement convaincu qu'on sera en capacité, même si vous êtes implanté dans un territoire rural, qu'on aura la capacité de vous aider. Merci pour cette réponse et je suppose que, en effet, Philippe Vasseur, qui conclura cet après-midi tout à l'heure, commissaire spécial pour la revitalisation et la réindustrialisation des Hauts-de-France, pourra rebondir et évoquer ce que vous évoquiez. Non, alors, monsieur, comme le principe est que la parole s'est distribuée, je ne vais pas vous la redonner, malheureusement. Une question au fond du rez-de-chaussée. Monsieur. Donc, Pascal Petit, je suis un simple habitant de ce formidable territoire qu'est la Vénois. J'aimerais simplement... Moi, dans l'analyse que je fais du travail de notre invité, c'est que c'est à la fois utopiste, mais il en faut, mais que c'est porteur d'espoir et d'optimisme. Mais tout ça, ça a un coût. Alors, vous m'excuserez, monsieur le maire, je ne vais pas parler des pouvoirs publics, mais on a eu des expériences de terrain de monsieur Jonas tout à l'heure, qui nous parlait de ces panneaux solaires. Évidemment, sur du moyen ou du long terme, on suppose qu'il va faire certaines économies, mais il a quand même dû investir une certaine somme qui le regarde, voilà, avec son pouvoir d'achat. Je reprends un autre exemple de, j'ai oublié le nom, de monsieur qui montrait la dépendance énergétique de Fourmies pour les Nicolas ménages. Hernigou. Voilà, monsieur Hernigou. Cette dépendance énergétique, on sait très bien que lorsque un gros pourcentage de notre salaire ou de nos ressources passe dans les ressources, on n'a pas d'argent pour améliorer. On n'a pas d'argent parce qu'on ne pense pas au moyen ou long terme, on pense juste à ce qu'on va mettre dans son assiette, que ce soit de la viande carnée ou moins carnée. Et une de mes craintes, mais je n'espère pas, j'ai peur que ce superbe concept de troisième révolution industrielle se transforme avec celui qui était un peu à la mode il y a quelques années, celui de développement durable, qui avait été à l'échelle globale comme le point de mire à atteindre. Et dans toutes les expériences qui ont été faites sur ce développement durable, d'ailleurs vous remarquerez qu'on en parle beaucoup moins, eh bien les plus pauvres, à quelques échelles que ce soit les échelles des États, des espaces, des villes, des quartiers, étaient ceux qui étaient les plus pénalisés. Et ma remarque, qui n'appelle pas une réponse forcément, mais il ne faudrait pas que cet optimisme à Fourmies, en Avesnois ou dans le monde, se termine et que l'espoir qu'il engendre dans 50 ans, on puisse s'asseoir dessus. Bon, votre remarque appelle quand même une réaction, au moins. Je vais donner la parole à Marie-Hénon, à qui ça a donné envie de réagir. Oui, ça a un coût. Mais quel est le coût de ce qu'on ne ferait pas ? On a vu le poids du pétrole, le poids des énergies sur notre commune. Ça va augmenter de manière exponentielle si on ne fait rien, de toute façon.
Donc le retour sera plus intéressant pour nous si on investit. Et après, on a des partenaires sur lesquels s'appuyer. La commune, je parle au nom de la commune.
c'est beaucoup plus dur de faire du changement d'échelle que de faire un bâtiment témoin. Mais en même temps, s'il n'y a pas de bâtiment témoin, s'il n'y a pas la ville de Fourmies ou d'autres démonstrateurs, ça a été rappelé par l'ADEME, merci monsieur, il n'y a pas de démonstration que c'est possible. Et je pense que c'est ça qui est génial à Fourmies, c'est que vous causez, excusez-moi de parler ainsi, aux secteurs ruraux, aux secteurs en difficulté, et si c'est possible ici, c'est comme quand dans mon coin où c'était la désolation économique, alors c'est possible partout. D'ailleurs, je termine là-dessus, ça me frappe que ce soit des communes en difficulté qui soient en avance sur la troisième révolution industrielle. Ceux qui ont du pognon, ceux pour qui ça roule, vous allez à Lyon, il y a de la croissance, ça roule pour eux, quoi. Et nous, on est obligés d'aller s'arracher pour passer dans le coup d'après. Et merci à Jérémy Rifkin de nous avoir redonné le moral. Et merci à Fourmies, je le redis, parce qu'il y a un rôle d'exemplarité extraordinaire. Merci. Monsieur, on vous écoute. Alors, Jérémy Rifkin voudrait rebondir, comme on dit. Merci de votre patience. Je voudrais dire quelque chose. Nous sommes tous, nous avons heureux, Jean-François Teron et notre professeur, notre facilitateur. C'est lui qui est pionnier. J'ai beaucoup appris de vous et vous tous dans cette région vous doit beaucoup. Tout le monde vous doit beaucoup. S'il y avait quelqu'un comme vous dans toutes les régions du monde, on aurait déjà réussi. Donc moi je m'appelle Richard Poit, je suis le PDG de la Scierie Forge d'Anor. Ce que je voulais dire, c'est que dans la région de Fourmies, les gros pourvoyeurs d'emploi sont encore les entreprises traditionnelles, comme les Visseries de Fourmies ou Léo François. Dans la région, c'est MCA qui donne des boulots, et à Valenciennes, c'est Toyota. Donc la question que je pose, c'est, et ces entreprises traditionnelles sont quand même concurrencées par des pays à bas salaire. Et la question que je pose, c'est en quoi cette troisième révolution industrielle change la donne? En quoi cette troisième révolution industrielle va redonner de la compétitivité aux entreprises traditionnelles pour être compétitif par rapport en fait aux pays à bas salaire, hein? Ou est-ce que finalement, il faut considérer que nous, on fait partie d'une ancienne époque et qu'il faut accepter de tourner la page et place aux nouvelles entreprises? Ou, je me répète, est-ce que la troisième révolution industrielle va nous donner en fait du tonus supplémentaire ou des armes supplémentaires pour faire face à la concurrence internationale? Pour vous répondre, je vous propose David Bruxelles et Jérémy Rifkin. C'est une très bonne question. Je crois qu'il ne faut pas opposer l'économie d'aujourd'hui et l'économie de demain en disant que voilà, on renvoie à l'avenir ce qu'on a pu faire aujourd'hui ou hier. L'enjeu, c'est de se dire quels sont les nouveaux modèles et est-ce qu'on peut gagner en compétitivité en réinventant, en re-questionnant son efficacité énergétique, parce que ça peut être des coûts en moins également sur la facture de l'entreprise, particulièrement sur les grands énergivores. Et on en a un certain nombre ici, il ne faut pas oublier qu'on est une des premières régions encore industrielles de France, avec des grands sites industriels qui sont des grands consommateurs d'énergie. Donc là, les réponses en termes d'efficacité énergétique sont également des réponses de compétitivité prix. Ça veut dire ça très concrètement. Et quand on a des grands consommateurs dans l'aluminium, dans la sidérurgie par exemple, qui s'engagent sur des sujets comme ça, c'est aussi pour avoir des réponses économiques. Le deuxième élément que j'apporterai, c'est qu'on a également un effet de compétitivité image et un effet de compétitivité client. Il est évident que de plus en plus, les générations Y, Z, etc. sont de plus en plus tournées vers des entreprises qui ont également une vocation responsable dans leur façon de produire, dans leur façon de consommer, dans leur façon de recycler et d'avoir une économie circulaire. Et tous ceux qui ont des enfants en bas âge le savent très bien, ils raisonnent très spontanément, est-ce que tu as éteint la lumière? Est-ce que ce produit-là, il est éco-responsable? Est-ce que ça devient des évidences pour eux? Alors, ce qu'on dit juste au niveau de la troisième révolution industrielle, c'est que nous, dans la mesure où on l'a compris au niveau régional, grâce notamment à Jérémy Rifkin, c'est de se dire comment on peut accompagner les entreprises à comprendre peut-être encore mieux aujourd'hui les besoins de leurs clients par rapport aux besoins des générations précédentes, entre guillemets. Mais vous avez complètement raison, il ne faut pas opposer les deux économies et il faut les faire, entre guillemets, avancer ensemble. Jérémy Rifkin, pour compléter peut-être cette interpellation. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Il faut que cela devienne une priorité. On ne peut pas construire
une société juste écologique si les bénéfices augmentent sans l'implication des gens qui travaillent. Je suis pour les PME. Je suis pour la création de coopératives de PME pour avoir le pouvoir latéral nécessaire afin de partager de manière démocratique leurs revenus. Vous allez voir de plus en plus ce phénomène des PME donc, vont se réunir et créer des coopératives pour avoir des économies d'échelle. Donc les revenus restent dans la communauté, non seulement avec les producteurs. Si les revenus restent dans une communauté donnée, tout le monde se porte mieux. Une nouvelle, peut-être dernière ou avant-dernière question, remarque. Alors que nous attendons l'arrivée du secrétaire d'État qui est venu en train et qui est arrivé à Lille à 15h38, et donc il ne saurait tarder pour, en compagnie de Philippe Vasseur, clore cet après-midi. Dernière question, remarque. Monsieur. Bonsoir, Jean-François Decaux, commerçant. Justement, pour rebondir à l'arrivée... À Fourmies, oui. Justement, pour rebondir sur l'arrivée du secrétaire d'État à Fourmies, et pour une question pour Monsieur Rifkin. Donc, Monsieur le secrétaire d'État va arriver en train. Donc, si tout va bien, il devrait être là dans 1h30. Puisque c'est le temps qu'il nous faut réalistiquement pour aller à Lille. Est-ce que dans l'idée de M. Rifkin d'avoir trois étapes, donc communication, mobilité et énergie, est-ce que la mobilité de la région, ou du moins de cette partie de région de la Vénois, est importante? Alors je dirais même plus qu'importante et vitale. Est-ce qu'il faut construire une route plus importante? J'en reviendrai pas à la RN2 parce que c'est un sujet qui est... depuis 40 ans, j'étais pas né à l'époque. Mais pense qu'il n'y a pas moyen de créer justement un moyen de transport plus rapide, plus... Est-ce qu'on continue les infrastructures de la deuxième révolution industrielle ou alors comment on fait Question d'actualité avec l'arrivée du secrétaire d'État. Well, you know, that's a really important... C'est vraiment une question importante que vous avez soulevée. Quand on collabore avec les Pays-Bas, les 23 villes entre la Haye et Rotterdam et Luxembourg et la région ici, cette question a été soulevée. On a compris que nous utilisions des métriques sur la base de conditions actuelles et des expériences du passé. Ce ne sont pas de bons critères. La réalité virtuelle devient la réalité vraie dans les années à venir. On va avoir affaire à des environnements virtuels de plus en plus. On peut être dans un environnement en trois dimensions physiquement. On peut travailler avec des machines virtuelles. Et ce n'est pas dans 10-15 ans, c'est dans les années à venir. En Luxembourg, par exemple, il y a d'horribles problèmes de transport, d'embouteillage. La population a doublé dans ce pays. Il faut être prudent lorsqu'on fait des projections pour les routes, la mobilité. Il faut chercher il faut tenir compte du fait qu'on a moins de mobilité et cela soulève d'autres questions. Est-ce que les gens vont aller à la frontière, ne pas traverser la frontière en Luxembourg? Est-ce que ces gens peuvent travailler chez eux et ne pas aller dans le pays même, au Luxembourg? Je vous donne un exemple de réalité virtuelle. Cela fait partie du plan de Rotterdam aujourd'hui. Comme vous le savez, le sud du Pays-Bas, c'est une grande zone agricole, c'est une des plus grandes zones agricoles du monde. Cette région travaille avec la croissance virtuelle. Cette région pourra, avec la réalité virtuelle, avec des liens Internet, cette région pourra
travailler avec des agriculteurs à 8000 km de distance avec les données collectées grâce aux satellites concernant l'humidité, etc. Et à distance, on peut travailler avec des agriculteurs à distance de 8000 km. Ça se fait déjà. De même, le port de Rotterdam, le plus grand port de l'Europe, commence avec le port interne de Shanghai. Et il est question d'utiliser des données avancées avec les satellites Galileo. On peut commencer à faire fonctionner d'autres ports à distance. On peut faire fonctionner des ports à distance. C'est possible. Voilà ce que je dis. Tout cela, ce sont des terrains inconnus. Cela va nécessiter une pensée complexe. Ce n'est pas si simple, surtout quand on parle de mobilité et de l'énergie. C'est un peu plus facile. C'est une bonne question. Je comprends. Vous êtes à une heure des grandes autoroutes. D'accord, vous êtes à une heure au moins une heure des grandes autoroutes. De plus en plus, il faudra des liens plus rapides. Je sais que les entreprises de transport que je connais travaillent pour les 4-5 ans vont vers une production de véhicules électriques. On y travaille chez Ford. Enfin, plutôt des véhicules autonomes qui peuvent vous chercher, qui peuvent livrer des paquets, comme des drones, des passagers aussi. Une bonne partie de la population ici n'est pas mobile. Une bonne partie de la population est coincée ici. D'ici 4-5 ans, ça ne sera plus le cas. Vous allez voir des véhicules autonomes et électriques qui vont vous transporter et partager les services. On fait des expériences sur ce plan dans différentes villes. Cela va être très positif pour les zones rurales et de petites villes qui manquent de mobilité. 34% de cette ville n'est pas mobile. C'est impressionnant de manière négative. Il faut tenir compte de tout cela. Il faut que les gens soient mobiles. Ce n'est pas une question virtuelle. Peut-être qu'il faudrait construire de nouvelles routes pour aller vers les autres routes, mais les véhicules autonomes existent déjà en partie. D'ici 4-5 ans, vous allez avoir des services de partage véhicules. Les véhicules vont venir vous chercher, cela va se passer, et également les drones d'ici 4-5 ans. C'est bon pour une ville comme ça, vous serez donc plus mobile à un coût moindre, un coût bien inférieur. Merci. Ça sera la dernière. Monsieur au balcon. Gérard Cuvillier, je voudrais poser une question à notre orateur vedette. Je voudrais savoir quelles sont ses réflexions sur l'économie distributive. Est-ce que dans le cadre de la troisième révolution industrielle, il y a une partie de traité, à savoir comment s'occuper de tous ceux qui passeront complètement à côté de la plaque par incompétence ou par inadaptation à justement cette troisième révolution? Merci. À mon avis, il y a deux niveaux en termes des gens qui sont laissés de côté. Si vous voyagez partout dans le monde aujourd'hui, la moitié de la race humaine, et je parle des gens qui gagnent très peu dans les pays développés, et ces personnes sont connectées avec des smartphones. 3,5 milliards de personnes sont connectées d'ici 3-5 ans avec le smartphone à 25 $. Tout le monde sera connecté. Nous voyons maintenant dans les zones rurales de l'Inde,
de l'Afrique subsaharienne. Il y a des start-up qui émergent massivement depuis quelques mois, des jeunes start-up qui vont dans des villages ruraux, qui louent un panneau solaire pour éclairer la ville. Et cela donne de l'électricité à une seule, des téléphones cellulaires. Et on peut ainsi connecter des maisons, 200 maisons dans un village. C'est seulement 2 500 $ pour créer un environnement du 21e siècle dans un village. Et les réseaux sont... ne seront plus verticaux, mais latéraux. C'est principalement des femmes dans les coopératives qui deviennent indépendantes. Et il s'agit d'un élément très important pour le mouvement des femmes. Les femmes entrepreneurs jouent un grand rôle ici. Et à notre niveau, du haut vers le bas, qu'est-ce qu'on fait d'Amazon, Alibaba, Google? J'adore Google. J'utilise Google tous les jours. C'est une boîte magique. C'est le meilleur moteur de recherche du monde. Quand tout le monde a besoin de Google, il n'y a pas d'autre choix. On dirait que c'est un monopole mondial. Les jeunes ici adorent Facebook, qui a 2 milliards. C'est la plus grande famille fictive de l'histoire. Et si tout le monde a besoin de Facebook, cela ressemblerait à un monopole global. Que faire avec les entreprises qui ont été connues un grand succès, qui sont devenues des monopoles? On les a réglementées. Ces sociétés sont parfois publiques chez moi. Ces sociétés sont restées privées. Ce qu'on voit à Bruxelles, notre commissaire de concurrence soulève ces questions, cette commissaire. Il est naïf de croire qu'Amazon sera la seule plateforme de logistique et il est naïf de croire que Facebook sera la seule plateforme d'interaction entre individus et Google sera la seule plateforme de recherche. Ça ne va pas produire parce que dans des communautés comme la vôtre, vous allez avoir des plateformes publiques contrôlées par les communautés. Donc, quand les gens interagissent, vous allez pouvoir contrôler l'utilisation de vos données. Vous pouvez décider si vous voulez donner accès à votre information à un tiers. Vous pouvez contrôler l'accès à la communication et au transport. On peut faire cela au niveau de chaque région. Et là, on a, de cette manière, un système commun, mais chaque région doit prendre contrôle de systèmes communs. La biosphère doit être contrôlée par chaque région, doit contrôler sa biosphère. Et de cette manière, on va créer un monde plus juste, plus équitable. Chacun pourra profiter des merveilleux avantages de l'interconnexion entre êtres humains pour la première fois de l'histoire et avoir une approche globalisée. Toute la planète va se réunir. Ce n'est pas une utopie. Je ne suis pas utopie. C'est dangereux, les utopies. C'est un avenir avec des espoirs, avec de nombreux problèmes et de défis, comme vous avez dit tout à l'heure. Quel est le plan B? Rester comme nous sommes, ça ne sera pas très bon. Je félicite cette région. Vous ne restez pas sur place, vous avancez. Ça sera un défi. Nous allons apprendre de vous. Merci. Merci à vous dans la salle. On arrive au terme de cette longue et très riche après-midi. Et pour conclure nos travaux, je vous propose d'accueillir Philippe Vasseur et Sébastien Lecornu, que j'invite à nous rejoindre sur scène. Philippe Vasseur, commissaire spécial pour la revitalisation et la réindustrialisation des Hauts-de-France, et Sébastien Lecornu, secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Voilà. Oh ben non, debout. C'est chic, côte à côte. Alors je sais pas si on vous met à ma droite ou à ma gauche, j'en sais rien, mais bon. Plutôt à ma droite. Bon. Alors on a projeté, pour commencer cette séquence, on a projeté un film sur fourmis.
où on a rappelé les heures glorieuses de Fourmi, qui était à la fin du 19e siècle la capitale mondiale de la laine peignée. Capitale mondiale de la laine peignée. Et on a vu, donc, après ça a été décrit, les mutations qui se sont produites. Et je pense que ce que disait Jean-François Caron tout à l'heure en disant c'est quand même curieux ou étonnant ou significatif que ce soit dans les territoires qui ont connu des difficultés qu'on s'avance le plus dans la direction de la troisième révolution industrielle, c'est pas neutre. Je dirais même que c'est tout à fait logique. Parce qu'on a vu que le monde était en train de bouger, on a vu que les choses ne pouvaient pas rester figées en l'état, et on sait très bien qu'il y a d'autres mutations qui sont devant nous et qui vont venir. Et la question qui nous est posée, et on l'a posée à travers la troisième révolution industrielle, c'est dire ces mutations qui arrivent, elles vont nous affecter. Alors j'entends bien, tout ne va pas disparaître, on est bien d'accord. Et Toyota va continuer à exister, on est bien d'accord. Mais la question qu'on peut se poser, c'est dans 30 ans ou dans 40 ans, et si jamais je pose la question, c'est parce que j'ai la réponse, et je la tiens de Didier Leroy, que vous connaissez ici particulièrement dans cette région, c'est dans 40 ans, est-ce que Toyota produira encore des voitures avec des moteurs thermiques ? La réponse est non. C'est-à-dire qu'on aura eu un bouleversement dans la mobilité et dans la façon de concevoir les produits. Et c'est comme ça que je crois que nous, on doit travailler. Les mutations arrivent. Comment est-on capable de les anticiper, de les prévoir, de préserver ce qui existe, bien évidemment, mais aussi de se préparer à l'avenir. On a deux problèmes. On en a souvent discuté, Gerlie. Premier problème, c'est celui des ressources, c'est des ressources fossiles. Elles ne sont pas inépuisables, même si on peut discuter de la durée qui est encore devant nous. Mais il y a d'autres problèmes qui sont posés par l'exploitation des ressources fossiles. On a parlé notamment du changement climatique, des questions de pollution de l'environnement, qui aujourd'hui sont un vrai problème, même si les États n'en prennent pas toujours pleinement conscience. Les Chinois sont en train de changer là-dessus, peut-être plus que les Américains. Puis le deuxième problème, bon, c'est pas celui d'une transition, c'est celui d'une révolution, c'est la révolution numérique qui nous tombe dessus de façon accélérée, avec notamment tout ce qui est en train de se préparer sur l'intelligence artificielle. Alors, on subit, on attend que ça se passe, comme on l'a fait dans d'autres périodes, ou on anticipe. C'est-à-dire on essaye de se donner une longueur d'avance. C'est le pari qu'on a fait. On a fait avec Jérémy, qu'on a fait dans cette région, pour exprimer une volonté collective. Et ça a été, je pense, notre première réussite, cette volonté collective. Parce que ce master plan que nous avons mis au point avec Jérémy et ses équipes, tout le monde y a participé. C'est-à-dire que tous les acteurs de cette région, politiques, économiques, universitaires, ont participé à ce plan, qui nous a donné donc une vision que nous avons construite ensemble, avec un projet qui est celui de basculer vers les nouveaux modèles économiques. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne les anciens, ça veut dire qu'on veut aussi être dans les nouvelles modèles économiques, dans lesquels on va retrouver des notions comme l'économie circulaire, l'économie de la fonctionnalité, bien évidemment la numérisation, etc. C'est de travailler ensemble, et ça c'est une des conditions sine qua non, le jour où on n'a plus cette union sacrée que nous avons réussi à maintenir jusqu'à présent, c'est fini, la troisième révolution industrielle. Et tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand Xavier Bertrand est intervenu, il a évoqué précisément cette continuité et cette union en faisant ressortir que, je vais vous faire une confidence, dans une vie antérieure, j'ai fait comme M. Le Cornu, c'est-à-dire j'ai fait un peu de politique. J'ai été dans un gouvernement de centre-droit, on va dire. Certains diront de droite. Daniel Percheron était un président de gauche. De centre-gauche. Et on s'est entendu en dehors de toute considération partisane parce qu'il y avait un projet commun qui était au service de cette région. Et c'est ce qui se continue aujourd'hui. Et si jamais on poursuit cette façon de travailler, je pense qu'on peut réussir quelque chose de grand avec la troisième révolution industrielle. Donc le projet, le fait de le faire ensemble, l'union, les initiatives, ça vient pas d'en haut, hein, de moins en moins, ça doit venir du terrain. Ce sont vraiment, on doit être dans une démarche, comme on dit dans le patois de chez moi, une démarche bottom-up, hein, c'est-à-dire on part de la base pour aller vers le sommet et non pas top-down, comme on dit en patois picard aussi. Et puis notre rôle à nous, chambre de commerce, conseil régional, mairie, etc., c'est-à-dire en quelque sorte les institutionnels, c'est pas de faire à la place des anges, c'est d'organiser, c'est d'inciter, c'est d'accompagner,
essaie de trouver des moyens. Et des moyens, on peut en trouver. David a rappelé tout à l'heure que quand on avait lancé ce livret d'épargne citoyenne dans le scepticisme complet, je vais vous faire une confidence. J'étais à l'époque président d'une banque mutualiste. Ben même chez moi, ils n'ont pas voulu en entendre parler. Et il a fallu qu'on aille chercher le crédit coopératif, auquel je rends hommage, pour qu'on se lance dans cette opération. Et la preuve que ça marche, 17 millions d'euros aujourd'hui collectés qui servent à financer des projets de start-up, de petites entreprises, ça n'est pas neutre. Donc oui, c'est possible. Et les moyens, bien sûr, on en manque, monsieur le ministre. Mais on en trouvera, avec votre aide, je pense. Non, mais c'est un petit appel à la fin. Vous passez la parole après. Donc, si jamais il avait des bonnes nouvelles à nous donner, on serait tout à fait preneurs. Hein, bon, voilà, voilà, voilà. Bon, non, mais. Bon. Et donc, pour nous, cette action collective, je parle de l'organisation collective, cette action collective, elle doit aller dans deux directions. La première direction, c'est en faveur des entreprises. J'ai entendu hein, ce qui s'était dit sur les entreprises. Donc, c'est effectivement d'appuyer les entreprises, d'organiser aussi des filières. Parce que ça, c'est important. On a pu constater que dans cette région, quelquefois, on allait chercher ailleurs ce qui était possible chez nous. On a parlé tout à l'heure qu'un monsieur qui a parlé de la méthanisation. Moi, ça me fait toujours un peu mal quand on va inaugurer une unité de méthanisation, de regarder où est fabriqué le matériel. Et on voit, j'ai rien contre les Allemands, hein. Mais bon, si ça vient de chez nous, c'est encore mieux. Et ça, ce sont des choses que l'on peut faire aujourd'hui, mettre en place précisément ces filières qui nous permettent de rentrer dans de nouveaux types industriels. La deuxième chose, la deuxième direction, c'est celle des territoires. Moi, je suis fondamentalement partisan des territoires. Les territoires constituent un espace pertinent pour développer les nouveaux modèles économiques. C'est monsieur Boissier qui tout à l'heure disait l'économie circulaire, vous n'allez pas faire de l'économie circulaire entre la Chine et les Hauts-de-France. Mais on peut faire de l'économie circulaire dans les Hauts-de-France. C'est un espace pertinent, c'est un espace de synergie. Et je pense que c'est vraiment ça qu'on doit mettre en avant. Alors, ici, dans les Hauts-de-France, on a un territoire qui est un territoire régional, qui s'est agrandi d'ailleurs. Au départ, c'était un peu plus petit. On avait le Nord et le Pas-de-Calais. Maintenant, on a en plus l'Aisne, l'Oise et la Somme. Et le master plan, le plan stratégique, cette vision de la troisième révolution industrielle, nous l'avons mise en place sur ce territoire des Hauts-de-France. Territoire de 6 millions d'habitants, tout à fait qui présente un certain nombre de caractéristiques. Mais pour autant, il faut considérer que dans ce territoire des Hauts-de-France, il y a des territoires internes, infra-régionaux, comme on peut dire, qui ont chacun leur spécificité. Moi, je suis originaire du Boulonnais. Oui, vous savez, non, c'est de l'autre côté. Bon, ce n'est pas les mêmes caractéristiques qu'ici à Fourmi. Et il faut tenir compte de ça. On ne peut pas appliquer les mêmes choses, les mêmes modèles, les mêmes méthodes, ici, à Fourmi, ou à Boulogne, ou à Dunkerque, ou à Lille. C'est complètement différent. Et je crois que ce qui se fait ici est précisément à montrer de toute façon en exemple comme étant l'une des possibilités qui nous sont offertes. Tout à l'heure, David, je crois que c'est toi qui as dit ça, David, on a 800 projets actuellement en cours. 800 projets. Ça fait 3 ans et demi qu'on a lancé la troisième révolution industrielle dans les Hauts-de-France. On a 800 projets, quand même pas rien. Alors là-dedans, il y a des petits projets, des projets qui sont des projets naissants, des start-up, comme on dit. Certaines se sont déjà développées. On en avait pris une, là, qui fait des éoliennes à axe vertical. Il était tout seul quand il a démarré. Ils sont une dizaine maintenant, aujourd'hui. Bon, ben, et on va dans ce sens-là. Et puis, il y a des projets plus importants, des projets plus grands, des projets qui, pour nous, sont des projets assez ambitieux. Alors, je vais vous faire une proposition. Et je suis persuadé que vous allez être d'accord. Suspense. Hein. On doit franchir une nouvelle étape. Et pour franchir cette nouvelle étape, qui doit donner davantage de visibilité et davantage de compréhension à la troisième révolution industrielle, on va faire 2 choses. La première, c'est qu'on va ouvrir 10 grands chantiers thématiques, 10 grands projets. 10 grands projets, ça c'est la suggestion que nous a faite dès hier et encore aujourd'hui, Jérémy Rifkin. Et ces 10 grands projets, on ira les vendre, notamment à Bruxelles. Il paraît que l'Europe a encore un peu d'argent et on est tout à fait consommateur et on est preneur. Alors ces 10 grands projets, on va y travailler avec Claude Langlais. On fera des propositions dans les 2 ou 3 semaines qui viennent. Mais par exemple, j'ai entendu parler d'éducation tout à l'heure. L'éducation peut consister un grand projet à la dimension de toute la région.
On peut aussi mettre dans les grands projets, dans les grands chantiers, la mobilité et d'avoir des visions plus modernes, plus actives de la mobilité. On peut aussi, et ça j'y crois beaucoup, et on a vraiment tous les atouts dans un territoire comme celui-ci, et notamment dans la Vénois, mettre en place un grand projet sur la bioéconomie. La bioéconomie, c'est de nouveaux matériaux, on est dans le renouvelable, hein, bien évidemment, et on a déjà commencé avec cette ambition que nous avons affichée d'être la première région d'Europe pour le biogaz injecté, pour le biométhane, cette filière que j'évoquais tout à l'heure. Bon, on verra, 10 grands chantiers, 10 grands projets visibles qui constitueront une nouvelle feuille de route pour la troisième révolution industrielle. Et puis non seulement on mettra en place ces 10 grands projets, mais on mettra aussi en place 10 démonstrateurs territoriaux. C'est-à-dire d'avoir dans la région 10 endroits, des villes, communautés urbaines, des pays qui existent dans le milieu rural, 10 endroits qui seront des endroits démonstrateurs, que l'on pourra d'ailleurs constituer en réseau, en espérant qu'ils feront tache d'huile. C'est-à-dire qu'ils ne resteront pas tout seuls, mais qu'ils pourront éventuellement servir d'exemple pour convaincre les autres territoires de rentrer dans cette logique-là. Et bien évidemment, le premier de ces territoires démonstrateurs sera Fourmies. Tout à fait clair. Voilà, donc, ce que l'on peut dire en conclusion. Mais comme j'ai le privilège et le plaisir d'avoir à mes côtés un éminent membre du gouvernement, prometteur, Benjamin du gouvernement. Ben oui, Benjamin du gouvernement. Ben oui, fois, hein. Eh oui, non, mais il en faut un, tu vois, quelquefois, on est le plus jeune, et puis un jour, on s'aperçoit qu'on est... Oui, la seule chose qui ne change pas, d'ailleurs, c'est que tous les ans, on prend... tous les 365 jours, on prend un an, sauf les années bissextiles, on a un jour de plus. Bon. Alors, à Sébastien Lecornu, je dirais qu'on lui fait un cadeau aujourd'hui. On lui fait le cadeau de notre démarche, que nous pensons quelque part exemplaire. Je sais qu'aujourd'hui, parce que Jean-François Caron et moi, nous sommes allés au Conseil économique, social et environnemental l'autre jour, qui doit rendre un projet d'avis sur un avis sur votre projet de territoire. Comment on dit ? Le contrat de transition écologique. Bon, donc on vous fait un cadeau, on vous apporte en quelque sorte bon, le contrat, on l'a fait nous. Alors vous pouvez d'ailleurs continuer hein, à travailler un peu avec nous sur ce contrat. Alors en échange du cadeau qu'on vient de vous faire, on va vous demander une réciprocité, on va vous demander vos encouragements, ça c'est pas trop dur. On va vous demander votre aide aussi. Non. Si vous avez des moyens, on veut bien, mais c'est pas l'aide principale qu'on vous demande. On est preneur. Tout à l'heure, quelqu'un a évoqué la question des ZRR, zones de revitalisation rurale. Alors là, il y a un truc qui m'a échappé, parce que je sais très bien ce que sont les zones de revitalisation rurale. Nous y avions travaillé, Philippe, souviens-toi, d'ailleurs, on avait réussi à avoir dans la région de Hauts-de-France, dans le Pas-de-Calais, une zone de revitalisation rurale. Et là où je saisis mal, c'est qu'aujourd'hui, cette zone de revitalisation rurale dans le Pas-de-Calais a été étendue, qu'elle englobe notamment une ville comme Saint-Paul-sur-Ternoise, qui est un peu plus petite que Fourmies, il y a deux fois moins d'habitants, mais qui connaît moins de difficultés sur le plan de sa structure sociologique et économique. Et donc, il y a manifestement quelque chose à regarder, parce que je pense qu'un territoire comme la Vénois a toutes les caractéristiques qui devraient lui permettre, donc, monsieur le ministre, on vous enverra un bon dossier, par l'intermédiaire de monsieur le préfet, on vous enverra un bon dossier pour faire en sorte que vous défendiez la cause de notre zone de revitalisation rurale dans la Vénois et en particulier près de Fourmies. Alors ça, c'est la première aide qu'on va vous demander, mais... Attendez qu'ils nous disent oui avant d'applaudir, hein, parce que bon, on ne peut pas... La deuxième chose, et peut-être la principale, que je voudrais vous demander, on est dans l'innovation. On est dans la rupture, on est dans l'imagination. Le problème, c'est que les réglementations, la plupart du temps, sont faites pour réguler ce qui existe déjà. Et dès que l'on commence à rentrer dans des zones qui sont des zones un peu inconnues, ça devient un peu plus difficile. Je ne mets pas en cause l'administration, entendons-nous bien. Nous n'avons absolument rien à redire sur ce plan-là. Mais depuis le temps, sous tous les gouvernements, que j'entends parler de droit à l'expérimentation, je me demande si on le verra un jour.
Tout le monde nous dit qu'on doit expérimenter. Le président de la République a dit qu'on doit avoir un droit à l'erreur. Oui, mais on doit pouvoir aussi expérimenter. Laissez-nous faire. Permettez-nous de faire. On ne demande pas de dérogation au code du travail, au code de l'urbanisme, au code de l'environnement, mais simplement la possibilité de pouvoir tester des solutions nouvelles. Si vous nous apportez ça, monsieur le ministre, vous revenez et on vous porte sur le bouclier de Brennus, un peu comme... Prenez cet engagement. Signons un pacte. On l'appellera le pacte de fourmis et je crois qu'il restera dans l'histoire. Monsieur le ministre, puisque j'ai déjà intégré l'idée qu'on est plus longtemps ancien ministre que ministre. Ah, ça c'est vrai. Et on garde le titre. Privilège. Monsieur le ministre, cher Philippe, mesdames, messieurs les députés parlementaires, mesdames, messieurs les élus départementaux, régionaux, monsieur le maire de la commune, et j'imagine un certain nombre de membres du conseil municipal ici présents qui m'ont accueilli à l'instant et qui vous ont tous collectivement accueilli depuis ce matin, et puis surtout, mesdames, messieurs, les chefs d'entreprise, le monde consulaire, et chers amis. J'ai lu mes notes dans la voiture, là, en compagnie du préfet de région, que je salue aussi pour sa présence et son engagement sur tous ces sujets. Et bien évidemment, lorsqu'un membre du gouvernement, et vous le savez, monsieur le ministre, se déplace, il a tout un tas d'éléments de langage, comme on dit, des EDL, qu'il est censé déclamer et réciter à son auditoire. Puis je me suis dit, Rêve 3, ça fait un bout de temps que j'en entends parler, ça fait aussi un bout de temps que j'en parle dans mes différentes interventions nationales. D'ailleurs, on s'est chopé sur Twitter comme ça, monsieur le ministre. Et je me dis, puisque je rate les questions au gouvernement et que je pars en expédition jusqu'à Fourmi, car comme le dirait le président de la République, Jacques Chirac, c'est beau, mais c'est loin. Eh bien, je me suis dit, je vais laisser tomber mes notes et je vais vous parler avec cœur. Vous l'avez rappelé, monsieur le ministre, je suis le Benjamin du gouvernement. Pour être précis, je viens de prendre 31 ans. Ça soigne. C'est une maladie dont on guérit très vite, mais dans ma précocité, j'ai déjà mon lourd passif et dans mon cœur aussi eu le bonheur d'être maire d'une commune de 26 000 habitants, Vernon dans l'Eure. Et j'ai présidé l'année qui suivait mon conseil général, donc j'étais président du département de l'Eure. J'ai dû démissionner, bien évidemment, pour être membre du gouvernement. Et ces questions écologiques, comme les questions économiques, comme toutes les questions de transition, je m'efforce, et j'ai pas beaucoup de mal à le faire, à toujours les envisager comme un élu local. Même aujourd'hui en tant que membre du gouvernement. Dans une région, la Normandie, qui elle aussi connaît des difficultés, peut-être pas les mêmes, mais qui elle aussi en tout cas connaît des transitions, notamment liées à l'automobile, la pétrochimie, bref, à une mutation d'un tissu économique qui tend à se transformer de par les évolutions économiques mondiales comme locales. Je deviens membre du gouvernement, j'entends parler de COP21, d'accord de Paris, de COP23, là en ce moment, à Fidji, de diplomatie climatique, et c'est heureux d'ailleurs, hein, Jacques Chirac, la maison brûle et nous regardons ailleurs, le Grenelle de l'environnement de Nicolas Sarkozy, la COP21 et l'accord de Paris sous François Hollande, là le pacte mondial pour l'environnement à l'ONU au mois de septembre dernier et le sommet du 12 décembre prochain à Paris pour rendre opérationnel et irréversible l'accord de Paris. Il y a une continuité française heureuse à saluer sur les questions écologiques et environnementales. Ça c'est la réponse internationale. C'est la réponse multipolaire. Elle est indispensable, on le sait. Lutter contre le réchauffement climatique, je vous redonne nos objectifs, hein. Rester en deçà d'1,5 degré, 2 degrés Celsius, en dessous de la période pré-industrielle, c'est évidemment une réponse que nos amis chinois, américains, ben bref, toutes les grandes nations du monde ont entre leurs mains. Mais on sait que ça ne suffit pas. Et qu'au fond, la question écologique, elle est assez invraisemblable parce qu'elle conjugue les deux jambes. À la fois la réponse internationale et en même temps des réponses très locales, très territoriales. Rencontre territoriale, très territoriale. Pour des raisons évidentes, l'approvisionnement en eau, c'est local.
le traitement des eaux usées, c'est local. Les déchets, c'est forcément local. La question des mobilités, c'est local. La question des énergies renouvelables, c'est local. Vous pouvez toujours planter une éolienne, vous n'allez pas mettre un câble qui va l'emmener jusqu'en Chine. Bon. Donc, les approches de transition écologique, c'est dû en même temps, comme dirait le président de la République. C'est en même temps international et en même temps très local. Troisième réflexion, je me dis, c'est quand même amusant, sur toutes ces affaires d'écologie, on aime bien les obligations de moyens, on est parfois beaucoup plus timide sur les obligations de résultats. On aime bien se dire qu'on a fait le maximum, mais quand il s'agit de mesurer et de relever les notes pour voir exactement ce qu'on a réussi à faire ou à ne pas faire, ce qui n'est pas grave d'ailleurs, l'échec est quelque chose d'utile sur nos questions de transition, puisqu'il y a une part d'inconnu d'innovation vers laquelle nous devons aller et vers laquelle nous devons justement recycler nos échecs pour arriver à bâtir une économie de demain. Et là, je me dis, c'est quand même incroyable. On n'aime pas beaucoup les obligations de résultats, on préfère les obligations de moyens. Quand je dis « on », c'est la puissance publique. Les élus, j'en suis un, l'État. Là où, dans le privé, là où dans le monde privé, dans l'entreprise donc, on a des obligations de résultats. Puisque les seules obligations de moyens, monsieur le ministre, on le sait très bien, ne suffisent pas. L'obligation est une obligation de résultats. Et là, je me dis, tout ça en discutant bien sûr avec Nicolas Hulot, avec le Premier ministre Édouard Philippe et Emmanuel Macron, vous connaissez les fondements même du projet présidentiel sur tout cela. Je me dis, c'est pas possible de ne pas, à un moment donné, avoir une réponse territoriale, rapide, opérationnel et surtout qui démontre, démonstrateur, j'aime bien le mot, je l'ai entendu, démonstrateur, Saint Thomas, il faut montrer pour voir que cela peut fonctionner et que ça constitue preuve d'un modèle que l'on peut démultiplier. Et ensuite, c'est plus Saint Thomas, c'est Saint Paul, puisqu'ensuite il s'agit d'évangéliser, bien évidemment, avec le modèle que vous avez bâti. C'est ce que vous appelez, monsieur le ministre, la tache d'huile. Les contrats de transition. Oui, j'ai flashé sur F3. Parce que, et je vais m'en expliquer devant vous tout de suite, j'ai flashé sur F3 puisque sur ces contrats de transition écologique, il y a un volet territorial. Je vais rentrer dans un instant dans le détail puisque les élus qui sont là ou les différents éléments de la puissance publique ou consulaire sont intéressés par la question. Mais il y a aussi un volet entrepreneurial. Et là, autant que j'avais des modèles d'inspiration sur mon volet territorial, je suis moi-même élu local, je vous l'ai dit, c'est pour ça que j'ai commencé par parler de moi, ça vous permet de comprendre aussi mon mode de fonctionnement, et donc le mode de fonctionnement de l'équipe qui m'entoure. Autant que sur les questions entrepreneuriales, plus compliqué de trouver des modèles. Ah, ici ou là, il y a toujours des entreprises formidables, des pépites qui ont fait des choses fabuleuses. Ici ou là, il y a toujours des filières, mais dans des niches très précises qui se sont structurées. Et rarement, il y a un exemple territorial assez complet, assez concret et à 360 degrés. Et c'est là où je suis tombé sur vous. C'est là où j'ai vu des gens de bonne volonté, issus du monde économique, du monde consulaire. Donc beaucoup de gens critiquent le modèle des chambres. Ils seraient bien avisés de regarder ce qui s'est fait ici, parce que ce n'est pas forcément le modèle qui pose problème, c'est ce qu'on en fait. Vous avez su démontrer que vous en avez fait quelque chose de formidable. En se disant, mais au fond, il faut qu'on se mette tous ensemble autour de la table, qu'on arrive à casser le modèle de l'ancien moule et de l'ancien monde pour arriver à bâtir quelque chose de nouveau. Parce que de toute façon, notre territoire, il a les difficultés qu'il a. On est tous d'accord sur le constat. Maintenant, le vrai sujet, c'est de passer à l'action. Et comme on sait très très bien que le seul argent public, mais je vais revenir quand même sur l'argent, le seul argent public ne suffit pas, il faudra également créer un modèle économique, parce que derrière, c'est ce qui permettra de créer de l'emploi. Je ne vais pas plus loin sur le sujet. Vous êtes vous-même dans cette salle F3. Ce n'est pas moi qui vous ai expliqué ce que vous êtes. Puis troisième volet, je terminerai par cela tout à l'heure, il y a le volet social. Les contrats de transition écologique. J'y tiens beaucoup, ça. Ce sont un peu mes bébés. Pourquoi contrat ? Droit devoir. Les appels à projets, je pense que c'était bien il y a quelques années pour créer une appétence, pour susciter de l'intérêt. Les appels à projets, pour moi, ils ont vécu. Pour une simple et bonne raison, monsieur le ministre, je partage complètement votre opinion, on ne peut plus faire des costumes prêts à porter en les enfilant de force à des territoires. On ne peut plus, depuis Paris, déterminer avec rigidité la taille de votre costume et l'envoyer à Fourmies, à Boulogne,
je note déjà à votre échelle. Moi, je dirais à Marseille, à Saint-Denis-de-la-Réunion, à Nouméa, à Strasbourg ou à Tulle. Ce modèle de l'État autoritaire qui impose un costume de prêt-à-porter là où les territoires appellent et veulent, les territoires, j'ai mis autant le monde économique que le monde social, que le monde politique, veulent un costume sur mesure, c'est une vision dépassée de l'organisation de l'État et de la décentralisation dans ce pays. Le contrat, c'est le maître tailleur qui vient prendre vos mesures et vous fait un costume qui vous tombe bien sur le corps. J'y reviendrai dans un instant aussi. Deux, je l'ai dit déjà un peu à demi-mot, contrat parce que droit et devoir. Hein ? Contrat parce qu'obligation de résultat et pas que obligation de moyens. Ça se mesure, l'argent qu'on met. Que ce soit l'argent des entrepreneurs, comme de l'argent issu de l'épargne ou du financement populaire, modèle que vous avez rappelé. Que ce soit l'argent du contribuable, au bout d'un moment, on doit savoir dire ce que nous avons fait de cet argent. Combien de mètres carrés de bâtiments publics ou privés ont été rénovés en énergie positive ou en tout cas en économie d'énergie ? Combien de CO2 évité avec tel ou tel programme précis d'économie d'énergie ? Combien d'espèces éventuelles de biodiversité sauvées ? Bref, il y a plein de moyens de mesurer et de quantifier en plus nos succès. Contrat toujours parce qu'il faut mélanger nos intérêts. J'y mets un euro. Tu y mets un euro aussi. On mélange donc nos euros. Ça veut dire qu'on mélange le risque. Et quand on mélange le risque, ça veut dire qu'on s'oblige mutuellement à une obligation de résultat. Je suis très lourd sur cette affaire d'obligation de résultat plutôt que d'obligation de moyens, parce que je pense que nous souffrons de ça et que nos concitoyens en ont marre de voir des élus ou des ministres venir faire des déplacements pour annoncer des plans, des projets, des programmes dans lesquels on ne sait pas très très bien derrière quels sont leurs lendemains et quels sont leurs devenirs. En contractualisant, en signant comme on fait chez le notaire, on s'oblige mutuellement à de la réussite. Avec qui il faut signer ? Deuxième question. Je crois beaucoup au niveau territorial le plus proche. Si on regarde ce que le législateur a souhaité ces dernières années, le PCI, les établissements publics de coopération intercommunale, donc en clair les comités de communes, les comités d'agglomération ou les métropoles, hein, ou comités urbaines, c'est les trois types de familles de collectivités EPCI que l'on retrouve, sont de bons échelons. De bons échelons parce que suffisamment proches du territoire pour entretenir des maîtrises d'ouvrage en direct, et en même temps avec une surface et une masse suffisamment importantes pour avoir des effets de levier en investissement. Parce que là aussi, il faut une capacité à investir à un moment donné. C'est important. Je n'ignore pas le débat qui peut parfois agiter les campagnes françaises sur les répartitions territoriales et les conflits de compétences entre collectivités. Je le règle de la manière la plus simple qui soit. You're welcome. Toutes les autres collectivités qui veulent venir co-signer ce contrat peuvent le faire. Je suis président du conseil départemental. Je gère donc du bâtimentaire public, je gère des routes, de la mobilité, des espaces naturels sensibles, j'ai même de la fiscalité affectée d'ailleurs pour cela. Je co-signe le contrat sur les actions dont je suis responsable ou potentiellement compétent. Je suis le conseil régional, je m'occupe véritablement de mobilité, je m'occupe de ce que vous voulez. Je viens co-signer le contrat dans le périmètre de mes compétences également. En clair, la question de la transition écologique, elle est suffisamment importante pour que les élus locaux trouvent le moyen de se mettre d'accord. Et là, ce n'est pas le ministre qui le dit, c'est l'élu local, cela va sans dire. Ça, c'est fondamental. Qu'est-ce qu'on doit retrouver dans les contrats ? Je vous l'ai dit, costume sur mesure. Si dans un territoire littoral, la priorité, c'est de lutter contre l'effacement du trait de côte. Je rentre des Antilles de ce matin. J'étais avec le Premier ministre sur la reconstruction de Saint-Martin, donc bien sûr, je suis imprégné de ces exemples-là. Si un territoire nous dit la lutte contre l'érosion du trait de côte est une priorité, il faut savoir entendre la priorité de ce territoire et l'accompagner là-dessus. Si d'autres disent, nous, c'est la biodiversité à la montagne, ça sera la biodiversité à la montagne. Si d'autres disent, nous, c'est la production d'énergie renouvelable, la méthanisation, parce qu'on est sur un territoire agricole et qu'on a besoin de trouver des prix pour nos agriculteurs, monsieur le ministre, et la méthanisation, c'est le moyen d'assurer une transition intéressante sur un territoire, on mettra donc le paquet sur la méthanisation. Je continue pas ma liste plus longuement, mais vous l'avez compris, il doit véritablement y avoir une rencontre entre l'offre locale et la demande locale. L'État servant de tiers et de financeur, je vais y venir dans un instant. Ça, c'est fondamental. Pour moi, les contraintes ne doivent pas se ressembler. Je dis ça, je ne suis pas naïf. Dans la transition écologique,
et je vous écoutais sur vos 10 thèmes, monsieur le ministre, on voit bien que la transition énergétique est le plat principal de la transition écologique, c'est une évidence, et en plus, on le voit bien, elle permet de créer des emplois, elle permet de créer de la richesse, surtout à l'heure où de nouveaux modèles économiques sur les énergies renouvelables se font jour. C'est le cas de l'éolien, c'est le cas aussi du photovoltaïque. On a parlé de la méthanisation, je n'y reviens pas. Les contrats doivent être très souples et très libres là-dessus. Si c'est de l'écomobilité, c'est de l'écomobilité. Si, monsieur le maire, le grand projet du territoire, ce sont des circuits courts dans les cantines scolaires ou dans les cantines des maisons de retraite, avec un pourcentage de bio et qu'il y a un surcoût et qu'il faut le financer, eh bien, faudra traiter ce problème-là. Je crois beaucoup à cette liberté-là. Alors, avec quels moyens ? L'argent, on peut en trouver. D'ailleurs, on en a, contrairement à ce que beaucoup disent. On en a si on l'utilise bien et si on respecte toutes les conditions que je viens d'indiquer depuis tout à l'heure. Obligation de résultat et pas obligation de moyens. Lecture pratique et précise de toutes les fiches actions qu'on veut mettre dans les contrats. On arrête avec des contrats bavards dans lesquels on dit « j'ai 110 priorités ». Vous êtes sûr qu'avec 110 priorités, vous n'en avez aucune ? Non, j'en ai deux ou trois. Et on sait très très bien quand on a deux ou trois priorités, quand on est maire, on le sait, quand on a deux ou trois priorités pour sa commune sur un mandat de 6 ans, on arrive à remplir ces deux ou trois priorités. Quand on a 4 ou 5, c'est un peu plus compliqué. Quand on a 9 ou 10, fondamentalement, si on n'a pas d'argent, on n'y arrive plus. C'est comme pendant un ménage. Sur les contrats de transition écologique, on va souhaiter pour 2018 15 à 20 contrats. Dans la même idée d'en faire des contrats démonstrateurs, avant de les généraliser ensuite. Car je n'ignore pas que faire des costumes sur mesure demande beaucoup d'efforts de la part du maître tailleur. Donc il faut du temps pour faire ces costumes, 15 ou 20 costumes, 15 ou 20 contrats sur l'ensemble du territoire, paraissent être un horizon tout à fait raisonnable et opérationnel. Sur cette négociation-là, nous allons la démarrer au début de l'année prochaine, je souhaite qu'on puisse avoir tous les types de territoires représentés, pour qu'ils soient définitivement démonstrateurs. Des territoires en Outre-mer, des territoires en métropole, des territoires urbains, des territoires ruraux, des territoires en bord de mer, des territoires montagnards. C'est absolument fondamental. Et parce que je m'y étais engagé et que je ne viens pas les mains vides, monsieur le ministre, je souhaite que sur la zone et sur le périmètre de REF 3, il puisse y avoir un contrat de transition écologique. Il y en aura. Je vous l'annonce et je vous le certifie ce soir. Cette négociation-là, disais-je, elle démarrera à la fin de l'année. Elle mobilisera des moyens très différents. Les premiers moyens sont les moyens de droit commun. Dotation aux équipements des territoires ruraux, dotation de soutien aux investissements locaux, la TSIL, le FNADT, Fonds National d'Aménagement du Territoire, des crédits qui existent déjà aujourd'hui, qui sont abondés et confortés dans la loi de finances. Loi de finances, petite parenthèse, vous avez les amitiés tous de Gérald Darmanin que j'ai quitté tout à l'heure à la fin du Conseil des ministres et qui savait que je venais dans le Nord. Donc je vous transmets ces amitiés, sinon il va me pendre si j'oublie. Je ferme la parenthèse. Des crédits qui sont donc sanctuarisés dans le projet de loi de finances. Des crédits nouveaux, grand plan d'investissement annoncé par le Premier ministre. Plusieurs milliards d'euros, notamment sur la rénovation énergétique des bâtiments, notamment sur les énergies renouvelables, autant de sujets qui vous concernent très directement. Troisièmement, et je salue la présence de la Caisse des dépôts et des consignations, tout n'est pas qu'à faire de subventions. C'est aussi parfois des problèmes de trésorerie. C'est aussi parfois des problèmes d'outils, de structures. Comment faire en sorte d'organiser la rencontre entre un opérateur public et un opérateur privé, une SEM ou une ESPL peut être une réponse. La Caisse, là aussi, sera sollicitée pour cela. Et puis enfin, et vous l'avez dit, et j'en suis très heureux, tout n'est pas qu'une affaire d'argent. Souvent, on voit bien dans notre pays que nos normes, qu'elles soient d'ailleurs issues de Bruxelles ou qu'elles soient même d'origine nationale, la loi ou le règlement, sont avant tout là pour protéger la planète, l'occupation des sols, les Français. Mais par un jeu parfois un peu pervers, alors qu'effectivement les services de l'État n'y sont pour rien, monsieur le ministre, ces mêmes normes peuvent bloquer la transition écologique ou la transition énergétique.
C'est-à-dire que les mêmes normes qui étaient destinées à promouvoir l'écologie, aujourd'hui, peuvent constituer un frein à un développement d'une écologie. Et ça, j'en prends aussi l'engagement au titre de l'expérimentation, j'en suis désolé, mais j'en prends l'engagement, que sur le périmètre des contrats, on puisse avoir de l'adaptation du droit environnemental et éventuellement du droit à l'urbanisme. Je donne un exemple concret pour étayer mon propos. Lorsque vous faites du repowering d'éoliennes, que ces éoliennes existent déjà, qu'elles existent depuis des années, qu'elles sont acceptées par la population, elles sont là depuis des années, elles produisent leur efficacité énergétique, leur efficacité en matière de fiscalité, on a juste besoin de changer le moteur de l'éolienne. Faut-il repasser par une procédure intégrale d'ICPE d'un an avec une enquête publique, là où une étude au cas par cas de 3 mois suffirait? Ce sont des choses aussi simples que je veux pouvoir mettre sur la table dans le cadre des contrats. Avec un État qui a moins d'argent qu'avant, c'est une réalité que tout le monde connaît, il reste néanmoins un élément facilitateur pour celles et ceux qui portent les projets. Et là, vous suivez mon cheminement un peu long, et je m'en excuse, mais je tenais à être précis, puisque une fois qu'on est à fourmi, on est précis, monsieur le maire. Dès lors qu'on se met d'accord sur obligation de résultat, dès lors qu'on s'est mis d'accord avec qui on contractualise, dès lors qu'on s'est mis d'accord avec l'argent, quel argent on y mettait, et j'ai pas fini sur l'argent, dès lors qu'on s'y met d'accord sur les adaptations que nous sommes en droit d'attendre de notre droit éventuellement pour libérer les choses, eh ben on voit bien que ça va voler, que ça va fonctionner. Puisque sur les 3 ou 4 priorités d'un territoire, eh ben on saura utiliser tous les effets de levier. Il y a bien sûr après d'autres financements, les collectivités territoriales. Il est évident qu'elles doivent participer aussi à la modélisation de ce contrat dans leurs compétences et dans leurs priorités. Et puis parfois de l'argent privé, puisque bien sûr, les filières économiques qui sont intéressées à la transition écologique ou à la transition énergétique, j'ai d'ailleurs à ce stade, vous ne le répéterez pas trop fort, des conversations fort intéressantes avec par exemple Engie, au hasard, ou d'autres entreprises qui sont intéressées à financer cette transition, puisque bien évidemment derrière, il en va de la structuration de leur filière et des débouchés et du financement de l'innovation de demain. Voilà l'esprit des contrats. J'étais un peu techno, je me surprends moi-même à l'être, mais je ne voulais pas vous donner l'impression que j'avais fait un déplacement pour ne vous dire qu'une seule chose, c'est que vous êtes formidable, puisque de toute façon, vous savez déjà que vous êtes formidable. On vous l'a dit, et je vous le redis, ce qui compte, c'est comment on fait en sorte que demain, tous ensemble, non seulement on soit encore plus formidables, tous, collectivement, mais surtout que nous arrivions à avoir des résultats qui soient tangibles, c'est déjà le cas, mais surtout définitifs, irréversibles, c'est-à-dire que le mouvement de transition de cette économie que vous avez lancée, mais je pense que M. Rifkin pourrait en parler mieux que moi, ne soit pas un effet qui retombe tel un soufflet, mais quelque chose qui traduise véritablement un basculement et un changement de modèle, ce qui est fondamental pour une région comme la région Hauts-de-France, et que derrière, surtout, ce modèle-là, celui que vous avez inspiré avec cette troisième révolution industrielle, celle dont effectivement je viens m'inspirer, et je prends le cadeau, Monsieur le Ministre, pour développer des contrats qui peuvent être ensuite exportés dans d'autres territoires et en faire une norme nationale pour traduire une transition écologique et énergétique dans un nouvel environnement économique qui soit inédit et dont on pourra se dire que ça s'est passé à fourmi, monsieur le maire. Je n'oublie pas la zone de revitalisation rurale, sinon je ne serai pas complet. J'attends donc le dossier avec le préfet de région avec impatience et je me chargerai de le transmettre personnellement à Jacques Mézard, le ministre de la Cohésion des Territoires, qui est compétent pour ce faire. Je mettrai également une petite couche à Gérald Darmanin, le grand argentier de l'État français, sans qui rien n'est possible. Merci d'avoir eu la patience de m'écouter en cette fin de journée, mais je voulais arriver avec beaucoup de précision et surtout beaucoup de cœur. Merci à tous. Merci messieurs les ministres, bravo monsieur le ministre pour votre imitation de Jacques Chirac, il n'est pas facile à imiter. Je vais en faire d'autres. Mais ça sera justement pour en salle de bal, vous êtes invité maintenant parce que la coopération et le changement ça se fait aussi autour de la convivialité, donc la mairie de Fourmi vous invite à boire un verre. Ici tout de suite une petite conférence de presse avec les personnes qui sont présentes et comme il n'y a pas de petits détails, je crois que l'un des participants à cette table ronde a oublié son téléphone portable dans un siège. Je le tiens à dispo jusqu'à repartir tout à l'heure. Merci encore. Bonne soirée. Ouais. Non, mais attends, j'ai oublié.
Tu veux faire un truc qui marche.